C'est un peu ça, c'est ça, non? Oui, au moins c'est ça. C'est la prothèse qu'elle a là. Ok. Bon. On va essayer de voir. Tu peux mettre ta caméra, viens en vidéo si tu peux. Essayer de voir un peu. Et puis, comment je dois commencer l'émission à 17h là? Je pense que si on s'organise, ça sera bien. On s'organise. Comment faire? Voilà, viens en vidéo, tu vas essayer d'expliquer encore pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. D'accord? Je vais D'accord. m'imiter, vas-y, tu expliques un peu ce que tu as vécu. D'accord. Et puis on va essayer de voir pour. Bon, Merci. s'il vous plaît, partagez le direct. S'il vous plaît. Vas-y, Bonjour. explique. Bonjour tout le monde. Bonjour les panélistes. Merci vraiment à la commission de son panel. En fait, tout a commencé le 10 décembre dernier, alors que je me rendais sur le Yopougon pour aller saluer ma grande soeur et prendre l'insuline avec elle pour venir piquer parce que je suis diabétique. Donc, c'est elle qui prend sa carte pour acheter l'insuline et puis moi, je m'en vais prendre. Donc, étant sur la moto, arrivé au carrefour d'Autré, j'ai eu un accident de circulation. Un gros camion m'a cogné et puis il s'est échappé. Les sapeurs-pompiers m'ont envoyé à Oufou-Boigny pour aller faire, pour me transférer à Oufou-Boigny. Arrivé à l'hôpital Oufou-Boigny, ils ont dit que non, comme la plaie est interne, la fracture interne, excusez-moi, ne peut rien faire. Donc, ils m'ont recommandé au CHU de Cocody. Arrivé au CHU de Cocody, je n'ai pas été pris sur les champs. J'ai attendu 2 jours d'abord sur un brancard qui était un statut de sang sec. Et sur ce brancard jusqu'à. Après, il est arrivé que. Après 2 jours, le médecin a fait des sommes. Par contre, ça, tout ça pour le donner. Il a pris la peine de venir poser un plâtre sur mon pied. Et le plâtre qu'il a posé sur mon pied là, quand le plâtre a séché, ça a commencé à serrer mon pied. 2 jours plus tard, le lendemain, je l'ai appelé pour dire, ah, le plâtre qu'il a posé là est en train de me serrer, je veux que le plâtre là, il puisse le retirer. Il dit non, qu'il ne peut pas le retirer parce que lui, il fait son travail. Il s'est mis à m'insulter, il s'est mis en colère. J'ai insisté là-dessus, il n'a pas écouté. 6 jours plus tard, il est venu me placer encore un bidon d'eau en bas et il a laissé tirer sur mon pied comme ça, tirer le bidon d'eau. Donc, ça a duré plus de 13 à 14 jours. J'ai fait une visite un jour, puis le professeur a vu mon pied en train de se gâter. Donc, automatiquement, il a dit, mais le pied en train de se gâter, le pied en train de se gâter. Retirez le plâtre. Ils ont retiré le plâtre, ils ont pris des aiguilles en pipico. Je ne sens plus mon pied. En pipico, je ne sens plus mon pied. Donc, c'est comme ça, ils m'ont dit, non, il faut qu'on va au bloc. Au bloc, encore, ils m'ont posé une somme. J'ai payé sur tout le bloc. Après le bloc opératoire, il s'est trouvé que mes nerfs ne fonctionnaient plus. Il s'est trouvé que mes nerfs ne fonctionnaient plus. Donc, on m'a dit d'aller faire un scanner. Ça a fait le scanner, je suis venu. Le scanner a révélé que mes nerfs étaient étouffés et que le plat qu'ils ont posé là a étouffé mes nerfs. Donc, il précise que je suis diabétique. Donc, il a demandé à avoir un diabétologue au niveau du CHU. J'ai insisté pour un diabétologue. On ne dit pas le diabétologue. Maintenant, les pansements là, il ne faisait plus les pansements. C'est-à-dire qu'il avait fait des vertus sur mon pied, mon pied, mais il n'y avait plus de pansements. Donc, la plaie a commencé à s'infecter. Donc, c'est ainsi que mon plâcher a commencé à tomber. J'ai demandé à quitter le CHU parce qu'ils m'ont dit non, qu'ils vont m'amputer. Mais vous voulez m'amputer alors que vous m'avez dit que si mon plutôt nous la cuisse s'est infectée, j'ai mouru. Ils disent qu'on te met la main de Dieu et puis on t'amputer. J'ai dit non, moi je ne veux pas. Moi, il n'y a pas été fait ça ailleurs. C'est comme ça qu'ils ont insisté. J'ai insisté que puis bon, ils m'ont fait un PV d'envoyer, un PV rempli. Et puis mon libre, je suis parti. Je suis parti, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais on m'a toujours dit que le pied va plus vivre. Effectivement, il restait les os. Je n'ai pas envoyé toutes les vidéos à moi. Si elle voit même pas qu'elle ne pourra pas manger. La plaie s'est infectée avec des asticots dedans jusqu'à ce qu'il reste les os. Et c'est juste mes os au dehors. Et donc, c'est le 24 février dernier que j'ai fait l'amputation. C'est le 24 février que j'ai fait l'amputation au niveau du CHLVU. Attends, n'équipe pas. Je vous ai demandé, n'équipe pas, hein, enfin, je vous ai demandé de partager le direct. D'accord? Moi, j'ai trop de signalements, donc mes pages, ma page a tellement un gros souci. Et aussi, je sais que quand c'est pour parler, si c'était autre chose, vous allez être nombreux. Vous êtes sur le live, partagez le direct. C'est un frère qui a des problèmes. D'accord? Ça peut arriver à tout le monde. Donc, ne regardez pas comme ça sans partager. Voilà. Vous demandez à ce que les gens fassent des bonnes choses. Quand il y a des bonnes choses qui se font là, encouragez. Partagez le direct. Voilà. Il ne faut pas attendre quand il y a mort d'homme ou bien quand il y a où on est en train de dénigrer les gens ou insulter les enfants des gens ou exposer les parents des gens que vous allez partager en fait. Donc partagez le direct, s'il vous plaît. On y va. Donc, c'est le 24 février que j'ai été amputé. Donc, quand la plaie a cicatrisé, je suis parti. Quand la plaie a cicatrisé, je suis allé voir le directeur du CHU pour lui poser le problème.
Non seulement ils ne reconnaissent pas le rôle médical, parce que même quand il y en a parlé, ils disent non, ils ne reconnaissent pas le rôle médical, qu'eux vont m'aider de façon humaine, mais on ne voit pas l'aide là. J'ai fait être expulsé de ma maison parce que je devais 300 000 francs. Dieu merci, maman Yam m'a aidé un peu, les gens ont dit un peu, j'ai donné un peu pour protéger, je suis parti, je suis à Abidjan pour aller faire la consultation. Regardez, voici le pied ici. Avant la consultation, le monsieur m'a dit que le pied là, à l'intérieur là, il y a du pus. Il m'a donné le compromis, il a pris effectivement, voici le pus qui est sorti. Voici le pied là. Il faut allumer l'ampoule là, ça va être bien éclairé. Voici le pus qui sort. Depuis hier, le pus ne fait que couler. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut allumer l'avant. T'as éclairé mon téléphone à bien. Voici le pus qui sort depuis hier. Vous voyez? Voici le pus là qui sort depuis hier. C'est-à-dire que quand j'ai fini l'application, après la scanner, la pub de suivi. Voici le pus qui finit. C'est-à-dire que si le je suis là, vous de moi là. Je ne sais pas, il n'y a pas dans cet état-là. Vous voyez un peu? Voici le pus qui sort. Avec ce diabétique. Avec moi, je suis un peu d'argent par là à l'hôpital encore. Allez voir qu'est-ce qui ne va pas. Voici le puits qui sort. J'ai pris des comprimés que je me suis donné. Voici le puits qui sort. Depuis, ça coule. Sur mon lit, partout, tout a tenu coulé. Donc, le monsieur m'a donné ce traitement. Et il a dit que si je finissais ce traitement, que le pied a bien séché, alors de venir faire maintenant la prothèse. Donc, la prothèse là, il a dit que ça faisait 2 500 000 francs, y compris la rééducation. Et puis. Je veux dire, la rééducation, puis le genou. En fait, c'est le genou. Ce qui a attrapé, c'est le genou. C'est le genou avec qui couchait. Il dit, vu mon poids, il faut que j'ai un bon genou pour que ça puisse durer, moi. Que s'il n'y a pas un bon genou, ça, c'est vite, c'est gâté. Et puis, je suis obligé encore d'aller chercher encore l'argent pour payer encore une prothèse. Donc, il m'a conseillé ce genou-là. Voici pourquoi il a pris ce genou-là. Donc, ce matin, je suis venu dire à un moment, il y a que voici, je suis parti à l'hôpital, effectivement. Je lui ai envoyé la facture pour format. Et puis, voici le traitement que je suis actuellement. Ce matin, je suis allé à l'hôpital encore parce que je savais que j'allais changer peut-être mon insuline. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait changer à l'hôpital, mais il faut qu'il parte parce que l'appel là-dedans, là, depuis, il est resté longtemps. Et c'est pas le monsieur, mais c'est vrai qu'à l'intérieur du puits. Parce que le puits, ça continue de couler. Il y a ça coulé quand ça a moulé tout mon matelas. Donc, c'est ça, ce matin, j'ai appelé mon maillard pour lui en parler. Ouais, il est fini. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous m'entendez? Vraiment. Voilà, coupe ton micro. Yako. Donc, je disais, la dernière fois, j'étais en live, et puis notre jeune frère était dans le live, il m'expliquait son problème en commentaire. Donc, je l'ai fait monter. Et puis, quand je l'ai fait monter, comment on appelle ça en bon français? Il a commencé à nous expliquer qu'il avait besoin de 7 000 francs pour partir faire l'examen à Abidjan parce qu'il était à Bengro. Donc c'était vers 6h, 5h, on a pu réunir 100 et quelques mille pour lui avec l'aide de beaucoup de personnes ici dans le live. Donc on a réuni 100 000 francs pour lui, 100 et quelques mille, hein, je ne sais même plus combien. Et il est parti. Après, il est revenu participer à Bagnon. Normalement, il est qualifié pour Bagnon. Donc, je n'aurais même pas, je ne dois pas le prendre dans le live. Mais comme je sais que son problème est assez urgent, voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Parce que ce matin, je suis venue faire un petit live pour vous dire qu'on commence à 17h aujourd'hui. Ce n'était pas un live même que je devais durer. Ben, il m'avait envoyé des messages que je laissais mon numéro, je n'avais pas vu. Donc, tout de suite, je viens de voir. Franchement, j'aimerais que vous partagiez le live et qu'ensemble, on puisse faire un petit don. On peut faire une petite collecte. Voilà, parce qu'il a une facture de 2 millions et quelques. Et je sais, je connais la puissance des gens des réseaux sociaux. Voilà. Donc, je veux qu'on reste jusqu'à peut-être 11 heures. Il va mettre un numéro et on commence à faire un petit don pour lui. Et puis, lundi, la semaine prochaine, on va encore récolter pour que ça puisse faire les 2 500 000 là. Pour qu'il puisse. Comment on appelle ça? Fait le tout pour son pied, là, c'est payer sa prothèse. Voilà. Donc, s'il vous plaît, partagez le live. Voilà, partagez le live. Et puis, donne ton numéro Orange Money pour les gens qui sont dans les commentaires. Si vous avez des questions à lui poser, ou si vous faites la demande, vous montez pour lui poser des questions. Voilà. Et donc, mets ton numéro dans les commentaires. Et aussi, tu peux le dire. Tu peux le dire oralement. Voilà.
16 euros, le numéro orange à 16 euros, 7 0 3 32 71 29. Reprends le numéro, s'il te plaît. 0 7 0 3 62 71 29. 070362. C'est pas un cadeau, t'as dit. Ok, c'est possible. Ok, redonne, donne le numéro seulement. Comment? 0703-62-71-29. Ok, on va revenir sur le numéro. Hein. Il y a des dames qui sont montées là. Nini, je vous écoute. Bonjour Aya, comment vas-tu? Moi, je voulais seulement demander, comme tu l'avais déjà mis dans la main de Hassan Ayak, hier, j'ai eu un direct avec lui et Hassan Ayak. Qui était en direct avec Hassan Ayak? Oui, hier, ils ont fait un direct et ça a fait peut-être une heure de direct. Hassan Ayak a appelé le docteur, tout ça, le médecin a dit qu'ils vont lui donner la prothèse, tout ça. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange encore les choses. Ça ah va bon, encore je ne savais, savais pas qu'il a fait la prothèse. Mais si, si, si. Si. Tu as parlé avec Hassan? Maman, hier, je suis monté sur ton direct. Maman, hier, je suis monté sur ton direct parce que j'avais fait des vidéos, j'ai mis ma bio. Il y a quelqu'un qui l'a contacté. Ils m'ont demandé de monter sur ton direct pour venir expliquer. Je l'ai expliqué. Pendant que je l'expliquais, le docteur du CHU l'a appelé. Il dit non, c'est là, c'est faux. Parce qu'il ne reconnaît pas l'erreur médicale. Donc, il dit qu'ils vont m'accompagner, ils vont me donner une prothèse. Il ne faut pas aller monter sur les panneaux pour expliquer. Ça a juste tenu son image, d'arrêter de monter. Il dit, mais moi, je souffre. Vous m'avez promis une prothèse depuis combien de temps? Il voit prothèse. Si tu n'as pas été maman, il n'y a pas allé faire la prothèse. Tu es allé faire la consultation à comment il y a eu la prothèse. Si depuis là, vous voulez une prothèse, est-ce que c'est maintenant en affaire à la rencontre? Parce que j'ai eu le direct du CHU, il m'a promis ça, mais il n'a pas fait. C'est quand il me voit sur le panel venir pleurer, demander de l'aide là, qu'il appelle pour promettre, on va faire, et puis il n'y a rien. Il y a ce qu'il a dit à part Ayak, maintenant de couper. Mais voici mon pied à tout le monde qui coule. Ou à du puits. Il est direct du CHU. Il peut prendre l'initiative, on va voir un médecin, on se toi, mais qui m'aide? C'est le pied qui coule là, on va un puits qui coule. Donc mon pied avait du puits, moi je suis diabétique. Donc mon pied avait du puits depuis longtemps, mais il ne savait pas. C'est quand tu allais faire la consultation grâce à moi, Ayala, que j'ai su que dans le pied, il y a du puits. Et quand il y a quoi après le produit, le pied a commencé à sortir. Donc, eux, à chaque fois que je suis un panel pour venir demander de l'aide, eux, ils appellent, ils disent que non, ils vont m'aider. Mais je ne vois pas de l'aide là. Hier, ils ont appelé ma consultation, que non, ils ont envoyé un papier, le rapport de l'accident que j'ai fait. Ils vont voir qu'on peut. Ils disent ça chaque fois pour soigner les gens, mais ils ne font pas. Est-ce qu'il y a des appels? Ils disent non, de laisser, il ne faut pas faire des lives. Ils disent non, mais moi, je souffre. Moi, j'ai deux enfants. Voici ma situation. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre. Donc, je vois aussi pour les gens chercher de l'aide. Maintenant, quand ils me disent qu'ils vont m'aider, puis ils vont pas l'aide. Est-ce que si quelqu'un veut m'aider là? Est-ce que monsieur, donc, monsieur, on lève encore pour demander de l'aide? La première fois que j'allais faire ma consultation à Benoît, hier, par exemple, il dit que non, Benoît, c'est pas un bon truc, ils vont trouver une bonne prothèse. Mais la première fois qu'il tient là, c'est pas une bonne prothèse. Donc, je vais dire que si ils veulent vraiment m'aider là, ils allaient le faire. C'est pas quand ils veulent faire un live, ils vont appeler pour dire que non, ils vont me faire, ils vont le faire, puis ils ne vont pas. Donc, si quelqu'un m'aide, est-ce que monsieur, vous prenez ce live pour demander de l'aide à chaque fois? C'est pas possible. Est-ce que c'est pas moi, je suis en train de demander de l'aide pour avoir envie de ma prothèse. Je viens d'abord. Je sais que je demande de l'aide pour avoir envie de ma prothèse pour pouvoir travailler pour mes enfants parce que j'ai deux enfants. Si elles estiment que vous m'offrez la prothèse et qu'elles disent lundi, ils disent c'est pas aujourd'hui, mais rendez-vous, puis c'est pas. C'est pas aujourd'hui. Donc, chaque fois que moi j'ai un panel, ils appellent pour donner des choses. Chaque fois que moi j'ai un panel, donc c'est compliqué. Si on a dit qu'ils allaient m'aider, effectivement, on a dit qu'ils vont m'aider. Ça, ils ne cachent pas. Mais je ne vois pas l'aide. Voici mon pied qui coule actuellement. Voici le puits ici. Ils sont de souffrir. Je n'ai pas de choses. C'est compliqué. Quand je demande de l'aide, on dit non, on va t'aider, mais je ne vois pas l'aide. Sinon, il y a un monsieur qui avait pris cette salle depuis je suis là-bas. Il a rappelé le docteur du CHU. Il m'avait dit que même qu'il allait me rappeler. Ils ne m'ont pas contacté. Hier, il m'appelle, disant que il va appeler ma grande soeur, que ma grande soeur a rappelé. Elle m'a appelé, je les appelle, il ne décroche pas. Je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, je lui ai envoyé le message pour dire que moi, j'en ai marre d'eux. Parce que moi, j'ai besoin de travailler pour m'occuper de moi. Quand on parle en disant que j'ai l'image du directeur du CHU, j'ai l'image, alors que moi, je souffre. C'est le vrai pensée que moi, je souffre. Et c'est pas eux qui souffrent. Comment ils souffrent? Ils sont obligés de demander de l'aide à tout le monde. Moi, j'ai besoin de ma prothèse. Au plus vite pour travailler. C'est ce qu'il dit à Maya. Et Dieu merci, il a fait la consultation. L'homme l'a fait pour moi. Parce que la prothèse ici. Donc, moi, mais depuis longtemps, là, je ne savais pas que de mon pied, il y avait du pus. Ni il a été la consultation. Il allait mourir peut-être parce que moi, je suis diabétique. Dieu merci, le monsieur a vu, il a dit, il y a du pus. Effectivement, le pus a coulé. Il y a jusqu'à ce matin que Dieu a coulé. Donc, je souffre. C'est une égalité. Moi, je ne cherche pas l'argent. Et Maya me dit, moi, je ne cherche pas l'argent. Moi, je cherche à faire la prothèse. Et puis, on met une petite pour travailler. Mais quand les gens ont là, non, Jean, tu arrives à le dessus, tu vas t'aider, ils ont fait cela, chaque fois ce qu'ils disent, mais je ne vois rien dessus, je vois rien de concret. C'est vrai, mon frère. Moi, je compatis, on compatisse tous à ce que tu as. Mais comme Aya, son grand frère qui est Hassan Ayak, hier, on a vu le direct. Moi, j'ai regardé le direct jusqu'à la fin. À la fin, il a dit qu'il va s'en occuper. Il a eu même le directeur de l'hôpital. Le fait qu'il a dit à parler le directeur de l'hôpital, donc tout le monde. Attends, j'ai fini. Avant ça, la fin, je sais. J'ai tout suivi avec Aya. Laisse-la passer.
Le jour que tu as parlé avec Aya au téléphone, là, c'était 5h du matin, moi j'étais sur le lac d'Aya, je suis même montée. On a tous participé ce jour-là. J'ai dit, c'est que Aya aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de dons pour les jeunes qui ont des problèmes là-bas. Aya lui a déjà en parlé ton histoire. Comment tu es montée? Non, je ne l'ai pas encore. Je l'ai pas, ah, tu n'avais pas encore parlé, voilà. Mais hier, il était sur le lac d'Aya. Attends, excuse-moi. Mm-hmm. Puisque la dernière fois, je l'ai appelé, en fait, je coupe ton micro, tu as bruché ta chérie. La dernière fois, je l'ai appelé. Coupe ton micro, mais... Oui, je sais pas si tu peux me donner deux minutes rapidement, si c'est possible. Oui, j'arrive, attends. La dernière fois, je l'ai appelé pour une jeune fille sur le live de Serge. Bon, hier même, il a croisé la fille, il y a eu un malentendu et tout. Donc, moi, ça, là même, je voulais gérer. Pour la puissance, là, je voulais moi-même gérer, récolter de l'argent ici. C'est pas tout qu'on va forcément aller le voir parce qu'il est beaucoup occupé, tu vois. Donc, je ne l'ai même pas parlé de ça. J'ai seulement dit à la puissance de partir me faire les radios là et tout et qui m'envoie la facture et moi j'avais prévu que la semaine prochaine là j'allais faire un live spécial pour lui pour récolter de l'argent pour payer sa prothèse. C'est ça, moi, c'est ce que on l'a promis ici, mais comme il est qualifié et que les bagnons là, tu sais, il y a des règles, je pouvais pas le faire monter la dernière fois, donc je l'ai pas fait monter. C'est pour ça que ouais, moi aussi 2 jours là, je suis malade. C'est à cause de ça. Tout à l'heure quand il est venu et puis il m'a dit, il m'a envoyé des choses et puis je dis bon, on va essayer de voir si on peut commencer à récolter, et puis la semaine prochaine, on va finaliser, c'est ça. Donc, je ne savais même pas qu'il était parti pour travailler et tout ça. Moi, je n'ai pas parlé de ça à Sam aussi. Donc, D'accord. Mais le directeur a dit que lundi, il faut qu'il passe le voir. Donc, lundi, il doit passer voir le directeur. Mais c'est ça, il entend le dire. Les directeurs, là, ils font rien. Aya, bonjour. Aya, excuse-moi, bonjour tout le monde. Aya, tu peux me descendre, s'il te plaît, je reviens. Comme c'est en voiture, je vais prendre le tunnel, après, je reviens. C'est qui? Madame Kamalaté. Ok, je te fais descendre. Je reviens, merci. Aya, bonjour. Bonjour. Je fais juste une petite intervention. Oui, mais il y a le monsieur avant toi, Côte d'Ivoire. Là. Il doit pas aller à parler. D'accord, ok. Vas-y. Côte d'Ivoire. Monsieur, okay, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tout le monde. Mm-hmm. Alors, bon, je suis un peu choqué. Mm-hmm. La puissance, depuis quand le pied est devenu comme ça? Depuis il a fait l'accident, je suis tombé du car là. Depuis j'avais dit, yes, oui, tu avais dit, voilà, que tu allais à Bandoukou. Et moi j'ai dépêché quelqu'un pour aller voir le directeur. Et il a dit, il va t'appeler. Tu n'as pas à payer la prothèse. C'est lui qui a donné sa garantie. Le jour où tu es parti, j'étais fait accompagner par un gendarme. Même avant, j'ai dépêché quelqu'un pour aller au CHU. Parler avec le directeur, le chef de l'équipe de communication. Tout monsieur, ça. Vous êtes il qui présentez. Il a donné des consignes. Côte d'Ivoire. Oui, Aya, bon, d'accord, Aya, oui. Que pour nous, on ne sait même pas, vous parlez d'une histoire dont on n'est même pas au courant. Je n'ai pas compris. Vous êtes en train de parler d'une histoire dont on n'est pas au courant, expliquez-nous. Ah ben, vous n'êtes pas au courant, exactement, c'est pour ça que je suis monté. Voilà. Moi, je suis en contact avec le directeur, je peux même l'appeler tout vous à l'heure. Vous êtes qui? Bon, là, je suis Côte d'Ivoire. Alors, d'accord. Et si la puissance, s'il y a un problème, que ton pied est dégradé, ben, tu n'as qu'à appeler, tu n'as qu'à m'appeler. Moi, j'ai envoyé quelqu'un hier qui est parti, qui devait la même t'appeler. La personne, tu le connais? Oui, c'est un grand frère politique, on fait la politique. Alors, tu pourrais appeler. Moi, j'ai envoyé hier quelqu'un qui allait t'appeler ce matin, qui s'est rendu au CHU. Ça va, je vous ai appelé. Pour donner la priorité. Pour te donner la priorité pour la prothèse. Maintenant, le pied, si c'est un peu comme ça, ben, tu pourrais appeler. Ça coûte quoi au directeur de te soigner en attendant que la prothèse arrive? Moi, c'est la procédure. Ça va, si tu fais comme ça, il peut se dire, moi, c'est ce que je t'ai dit. Moi, j'ai plus la garantie. J'ai plus la garantie d'aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose maintenant, si tu as aussi des panels pour dire des choses comme ça, on peut, moi, il n'y a pas de problème. Papa, je peux dire, je suis en train de souffrir. Quand je monte sur les panels, je alors, demande de l'aide. Tu es en train de souffrir. La solution, c'est quoi? La solution, c'est d'aller au CHU. La solution, c'est d'aller au CHU. Même si tu m'avais appelé ce matin pour tes déplacements, mais je t'ai envoyé l'argent, tu prenais le taxi, tu partais. Le directeur, il était là. Avant de vous appeler, tu fais comme ça. Vous n'avez même pas répondu. D'accord. Quand je vous appelle, tu fais comme ça. Je vous écris, vous ne répondez pas. Je vais monter pour demander de l'aide. Vous venez intervenir. On veut tous t'aider. Alors, on veut tous t'aider. Mais quand le commissaire ne vient pas, c'est compliqué. Hein. Attends, je viens. Alors, est-ce que moi, j'étais obligé, le jour où j'ai pris l'affaire en main, est-ce que j'étais obligé de le faire? Mais je le fais parce qu'on est tous des êtres humains. Mais si il vous appelle, vous ne répondez pas. On est tous des êtres humains. Vous ne répondez pas. Je souffre. Quand je viens de parler, vous venez intervenir. La solution, c'est actuellement, c'est où? Moi, j'appelle, tu suis en train de me faire en train de protéger l'image. La puissance coupe ton micro. Vous protégez l'image du monsieur pendant que moi, je souffre. Coupe ton micro. C'est le débat de monsieur. C'est le débat de monsieur. C'est le débat de monsieur.
Alors, c'est tu m'écoutes au moins. Quelqu'un qui est diabétique. Est-ce que vous connaissez diabétique? Merci. Tu m'écoutes? Alors, Aya, j'ai dépêché quelqu'un. Je suis au courant de cette histoire depuis très longtemps. Mm-hmm. Le directeur a pris la garantie. Il était à Paris. Il était à Paris. Papa, il a dit qu'il allait. Nabissa, coupe ton micro d'abord. Nabissa, je peux te calmer un peu. Vas-y, Pielesi. Vas-y, Pielesi. Coupe ton micro d'abord. Ok. Tu veux aller à l'hôpital? Tu veux aller au CHU? Tu vas aller au CHU? Oui, est-ce que monsieur, on vous écoute. Il faut que monsieur parle. C'est pour que vous me demandez si j'allais au CHU quelque part. Mais coupe ton micro d'abord. Tu vas venir vers toi. Calme-toi. Alors, Aya, moi, je ne suis pas contre. Les gens peuvent aider. On peut aider. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Le CHU a pris la garantie de donner la prothèse qui coûte à 1 million, 2 millions. C'est eux qui ont pris la garantie. Mm-hmm. Mais il y a des procédures. Ça, c'est depuis quand? Aya, excuse-moi. Mais même pas une semaine, j'ai parlé avec le directeur. Il a donné des consignes. Et la puissance doit être là-bas lundi ou c'est mardi qui doit être là-bas. Ça fait un mois que je mets la plus la garantie de prothèse. N'a jamais respecté sa parole. N'a jamais respecté les rendez-vous. Si moi, je t'ai dit le mardi, on t'a dit de passer. Est-ce que le mardi est arrivé? Mais pas du tout. Je ne suis pas contre que les gens puissent l'aider. Arrêtez de dire. La puissance, il faut te muter, non? Bon, d'accord. Bon, Aya, moi je pense que le jour où la puissance était chez moi, c'est moi-même qui ai contacté le directeur. Et je lui ai dit, en Côte d'Ivoire, et la puissance est là. J'ai déplacé un gendarme pour aller l'attendre quand il est quitté à Bondoukou, pour l'accompagner sur le directeur, pour voir clair dans cette histoire. Et il est au courant, il le sait très bien. Je n'étais pas obligé de le faire. Mm-hmm. D'accord. Et quand le directeur a donné la garantie, il dit, bon, c'est vrai, le médecin qui a eu à faire ce genre de choses, il peut porter plainte. Bon, la justice va faire son travail. Mais pour le moment, j'ai dit, bon, laissons tout ça d'abord. Trouve les moyens pour lui donner la prothèse. Parce qu'on ne va pas rester là pour passer de panel à panel pour dire cotisons pour le frère. Ce que nous, on peut faire, on peut cotiser pour payer sa maison, nourrir les deux enfants et sa femme. Mais la prothèse, tu prends la garantie. Je vous le jure, je sais de quoi on sait. Le gendarme est là. Si je veux, je peux l'appeler. Il va monter ici. Il est même sur les réseaux sociaux. Il va monter. Et hier, j'ai déplacé. Il dit, bon, j'ai dit au monsieur, va chez le directeur, qu'il met ça en priorité pour donner la prothèse au monsieur, pour qu'il puisse marcher d'abord. Et le reste, on verra. C'est ce qu'il a dit. Si on veut t'aider, que tu montes. Le directeur n'est pas obligé de le faire. Hein. Ça, je vous le dis. Il n'est pas obligé. Le médecin, on peut le poursuivre. N'ouvre pas ton micro à la puissance. Le médecin, on peut le poursuivre en justice. Mais ça va prendre combien de temps? Et lui, combien de temps il va souffrir encore? Sans prothèse. Donc souvent, je ne sais pas, je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, je compatis avec toi. Mais souvent, il faut quand même se calmer souvent. Mm-hmm. C'est ce que moi, je voulais dire. S'il me disait depuis hier, je suis tombé, ou bien de la manière je vois l'état du pied, mais l'envoyer l'argent pour prendre le taxi de Bondoukou pour aller au CHU, ça fait quoi? Ça ne me coûte rien du tout. Ça ne me coûte rien. Il a un gros coup. C'est comme c'est moi. Bon, Aya, il n'y a pas de problème. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas pour protéger le patient, mais il peut poser plainte. Et il a le droit de poser plainte. Il n'y a pas de problème. Et calme-toi, monsieur. Voilà. Tu sais, comme c'est lui qui vit la chose, il faut le comprendre, tu vois. Voilà, il faut le comprendre. Donc là, le directeur, il dit quoi? Est-ce que vous pouvez appeler le directeur? Alors, le directeur, c'est le mardi qui est le rendez-vous. Mais est-ce que c'est possible d'appeler le directeur et savoir si le mardi, réellement, il aura un rendez-vous avec lui? Je vous le confirme. J'ai envoyé quelqu'un hier même au CHU. C'est pour vous dire que je suis ça de près. Le monsieur m'a appelé, il allait l'appeler la puissance aujourd'hui. Parce que hier, il est quitté là-bas. Moi, j'étais fatigué. Je me suis couché très tôt hier. Il m'a appelé. J'ai dit, bon, écoute, matin, il faut appeler le jeune lui-même. Tu l'expliques. Mardi, tu l'attends. Quand il arrive à Abidjan, vous allez ensemble au CHU. Mm-hmm. C'est tout. Il a pris la garantie et il va le faire. On peut dire, bon, ok, on peut l'aider. Il n'y a pas de problème. Moi, Aya, je ne suis pas contre ça. Leur aide-là, ça reste toujours et tout bénéfique. Dans ce cas-là, toi, il faut aussi t'occuper de ça. Mais entre-temps, le gars est venu sur le panel de Aya pour demander de l'aide. Il n'y a rien de méchant à ça, en fait. Non, je n'ai pas dit que c'est méchant, en fait. Je ne sais pas si on se comprend, en fait. Je n'ai pas dit que c'est pas. C'est moi-même, c'est ce que je veux. Ce que vous voulez pour lui, là, c'est très gentil de votre papy. C'est bien même de nous informer parce qu'on ne savait pas. Mais son histoire-là, ça touche. Il est diabétique. Regarde le puits en train de sortir dans son pied. Jusqu'à mardi, qu'est-ce qui peut lui arriver? Grand frère, quand toi tu es monté là, moi j'aurais aimé que tu t'exprimes autrement. Mais après, on dit personne n'est parfait. C'est comme si genre, tu lui reprochais quelque chose. Le gars dit que lui t'écrit et tout, depuis combien de jours tu ne réponds pas? Mardi, c'est encore loin. Et regarde actuellement là où je vous parle. Moi, je suis même sorti de la salle. Hein. Je suis à l'université. D'accord? Souvent, j'ai fait des panels. Il est là. Tu peux pas être à la place de quelqu'un. C'est lui qui vit sa chose en fait.
Bah, je compatis, j'ai pas on dit. On va mettre un peu, dimi, tout ça et tout, ça peut l'aider aussi pour quelque chose, c'est pas méchant. C'est que parce ceci, que le docteur, le, va aussi bon, tout nous, la on va puissance, le jour où tu es monté, si, depuis le jour où tu es monté si, sur le panel, si, les gens la, n'ont la, pas la cotisé aussi. Madame, ce que vous êtes en train de dire là, même nous, ce que vous êtes en train de dire là, mais nous aussi, on a cotisé. Hein. On a cotisé aussi pour lui. Parce qu'on compatit. Moi, je me mets à sa place. Ou bien, parce que je sais qu'il est en train de traverser les moments difficiles. Le premier jour, j'ai dit à tout le monde de cotiser. Mais est-ce que continuer à cotiser à chaque fois, ce n'est pas la solution? La solution, c'est de lui trouver la prothèse rapidement. Pourquoi ce n'est pas la solution? Pourquoi ce n'est pas la solution? S'il le faut, même là, on retire son numéro, on donne un numéro principal qui va aider à la cotisation pour payer la prothèse s'il le faut. Parce que ce que vous vous dites là, est-ce qu'on a vu? C'est bien beau de parler les belles paroles et tout. Peut-être que vous ne pouvez parler comme ça. Je ne te connais pas du tout, un grand frère. Peut-être que vous ne savez pas aussi ce que moi aussi j'ai fait. Mon intuition me dit que tu caches quelque chose. J'ai l'impression comme si je ne suis pas ici pour dire voilà ce que j'ai fait pour toi. Ça, ce n'est pas ma priorité. Mais la priorité, c'est de lui trouver la prothèse. Je ne sais pas, Aya. Non, il ne faut pas accuser. Aya, moi, je parce que qui vient demander de l'aide et tout, il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. C'est ce que je suis en train de dire, au fait. Bonjour, Aya. Je voulais souligner quelque chose. Parce que le monsieur, la puissance était hier chez Hassan Hayek. Hier, il était chez Hassan Hayek. Ça a été la même chose qui s'est passée là-bas. Quand le jeune a expliqué son problème, Hassan Hayek a appelé le directeur. Il ne sait pas c'est quoi ils se sont dit, comme le jeune n'a pas de moyens. Hassan Hayek a parlé là-bas. Hassan Hayek lui a dit que le jeune, il ne faut pas le jeune va partir sur les panels des gens pour demander de l'aide. Pendant que le jeune a été amputé, c'est un grand monsieur, il a ses enfants, il a sa femme. On veut le mettre dehors. Ça aussi, c'est les petits détails. C'est vrai, prothèse. C'est très important, la prothèse. On n'a pas dit non. Mais le jeune fait comment pour payer sa maison? Il fait comment pour manger avec ses enfants? C'est ça qui est le plus important. Donc, il n'y a rien de mal à ça qu'il partit les panels pour demander un peu de l'aide et puis ils vont cotiser pour lui. Pourtant, on lui donne l'argent pour faire. Personne ne s'oppose à ça, madame. Personne ne s'oppose à ça. Non, monsieur, attendez. Parce que vous êtes là à influencer le jeune, en fait. Vous êtes là à influencer le jeune, en fait. Mais pourquoi je vais l'influencer? Hein? Pourquoi? Non, vous l'influencez. Parce que vous, d'abord, comme vous savez qu'il n'a pas de moyens pour un avocat, comme il n'a pas de moyens pour vous. D'accord, pour mais vous savez très bien que c'est une erreur médicale. Vous-même, vous le savez très bien. Bon, ok. Moi, je n'ai pas de moyens. Ça va être tout le respect. Moi, je vais descendre parce que moi, je ne suis pas monté pour influencer quelqu'un. On n'a qu'à parler avec ça. Le panel des femmes, souvent, je me méfie beaucoup. Parce que je pense que quand non, on parle, trouver des solutions, c'est ça. Je le suis il y a longtemps, hein, mais quand il y a la vérité, là, ma soeur, on n'a pas dit. Moi, je n'ai pas incité le monsieur, mais je dis que... C'est, allons doucement. Aya, tu es une femme de grand cœur. Tu es quelqu'un qui aide les gens. Voilà, si tu peux... Non, mais laisse-moi parler. Oui, je vais te laisser parler, mais allons doucement. Il ne faut pas accuser, il ne faut pas... Ah, je vais te laisser parler, je comprends. Vous comprenez ce qu'elle avait dit, le monsieur peut être d'une aide aussi, il ne faut pas en voir voilà. Dire quelque faut chose. Pas en fait, c'est qu'eux, ils veulent là, eux, ils veulent donner juste une prothèse au monsieur et puis laisser la paix comme ça. Mais il y a la réalité qui est là, en fait. Hein? Quelqu'un qui est diabétique, qui a été amputé, il a besoin de soins, il a besoin de médicaments, il doit aussi s'occuper de sa famille. Parce qu'actuellement, les loyers, oui. Comment les gars mangent. Il y a tout ça. Vous voulez faire quoi la faire? Ça vous dit non, il n'y a pas d'erreur médicale. Parce qu'il n'est pas médecin. On a compris. Il y a pas de... Oui. Tati, pardon. Bonjour, la puissance. La puissance, excuse-moi. Je n'ai pas encore écouté ton histoire. Tu comprends plus? Je vais laisser mon numéro dans ton truc. Abonne-toi à moi, c'est Sénic Ramba. D'accord. Tout à l'heure, là, je vais appeler. Un gars qui est proche du ministre de la Santé tout à l'heure là. Personne. Moi, je ne suis pas histoire de prothèse, histoire de ceci, histoire de cela. Il n'y a pas. Il ne faut pas qu'il soit trop épapier. Non. On ne va pas épapier. Bon, parce que ce que je comprends, c'est une erreur médicale qui s'est passée qu'ils ont buté son pied. C'est ça? Est-ce que vous m'écoutez? Bonjour. Aya, tu bêtes. Quand tu n'as pas bon réseau, on ne va pas faire live. Bonjour. Odia, il dit quoi lui là? Toi, tu es bananier là-bas, si tu n'entends pas les gens, tu dis, moi, n'est pas bon réseau. Alors, vous m'entendez? Oui. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il soit trop épapier. Seni, tu veux prendre l'affaire en charge, c'est ça? Non, je n'ai pas dit que n'a qu'à ses papiers. Parce que non, le tu problème. Je te demande maintenant si tu veux prendre l'affaire en charge, c'est ça? Je ne vais pas prendre l'affaire en charge, mais je vais lui donner un numéro et je vais appeler. Tu comprends? Parce que quelqu'un, erreur médicale a fait qu'ils ont buté pied de quelqu'un qui n'était pas mendiant. Tu comprends plus? Aujourd'hui, la situation qu'il est dedans, il a oublié de demander pour manger. Voilà. Quand c'est comme ça, il veut porter une plainte. On dit, non, attendez, on a appelé le directeur, on va lui trouver une prothèse, ceci, c'est là. Non, mais c'est son pied qui a été amputé.
Tu comprends? Oui, normalement, il doit même avoir un dédommagement. Voilà, moi, je ne rentre pas dans le consort. On a appelé tant, on va appeler tant. On a tout à l'heure là, c'est parce qu'il est 8 heures. Sinon, devant toi, je vais appeler le monsieur parce qu'il fait tard et il ne fait pas jour trop. Je vais appeler le monsieur, mais sur haut-parleur. Il a fait la capture du live. Je vais appeler le monsieur, il met ça sur haut-parleur. Je vais demander. Monsieur, le directeur du CHU, là. Je ne passe pas par le directeur du CHU. J'ai dit bien le ministre de la Santé, monsieur Demba Pierre. Mm-hmm. Oui, passe pas par le directeur du CHU. Parce que quand ils finissent de faire du mal aux gens, regarde, à l'hôpital, vous voyez ici, là. Quand ça s'est passé, là, on dit non, il faut voir le directeur, il faut voir le directeur. Le directeur même m'a traité de sous-là. Tu as compris? Ils ont abandonné mon ami, il est mort, ils m'ont traité, ils ont abandonné deux de mes amis. Mm-hmm. Ils ont failli tuer, excusez-moi pour le mot, ils ont failli déjà ma fille. Mm-hmm. Ma fille, ils ont failli déjà ma fille. On dit ma fille n'a pas paru. Ils lui ont donné les médicaments, les gars voulaient faire injection. Ils ont dit jamais. Je n'ai pas accepté. On a pris ma fille pour aller dans autre clinique. On est arrivé là-bas, on dit la fille a paru. Que paru que la fille a là, c'est très grave. Si les gars faisaient injection qu'ils devaient faire là, mm-hmm. la fille allait rester dedans. Après mm-hmm. ça, ils ont abandonné mon ami qui a fait paya à un moto. Ils l'ont abandonné, ils l'ont déposé dans la cour de l'école. Tu nous envoies dans quel débat? Non. C'est l'histoire des directeurs, c'est pas des. Quand ils rentrent dans le directeur, ça rentre dans la négociation. Donc, la puissance, tu t'abonnes à moi, je vais m'abonner à toi, et puis je vais te donner, je vais appeler le monsieur, je l'explique, et puis je vais lui dire, le monsieur va t'appeler, tu vas l'expliquer. Directement, ça va aller dans l'oreille de monsieur Demba Pierre, c'est clair. Ça n'a pas passé de parallèle à parallèle, de ceci à ceci, de prothèse en prothèse. Si les gars veulent te trouver prothèse, donc prothèse, là, on fait quoi? On annule les dons, là, c'est ça? Non. Vous annulez les dons, pourquoi? Parce que moi, je voulais qu'on fasse... Est-ce que le don qu'il demande, là, le don, là, peut l'aider à avoir prothèse? Oui, sa prothèse, là, il a la facture, là, c'est 2 500 000. Voilà, le don peut l'aider à avoir prothèse, c'est clair. Le ministre, maintenant, si on voit le ministre, qu'affaire arrive dans l'oreille du ministre de la Santé, que maintenant, le ministre de la Santé décide de lui donner prothèse et puis régler l'affaire. Dans ça, là encore, le reste et l'argent qu'il a dans sa main, il peut prendre pour faire un petit commerce. C'est tout. Moi, il n'y a pas trop parlé. Il peut prendre pour payer ses factures et tout, il peut prendre pour manger avec ses enfants. Il n'a pas fait. On va appeler le directeur. Directeur, là, lui, là, il est qui? Appelez directement camoufler. Tiens, le nom du gars qui t'a créé des problèmes là. Le nom du médecin. Voilà. Appelez quel directeur? Bonjour tout le monde. Bonjour. Aya, est-ce que tu peux appeler Hassan Ayak? Tu as parlé un peu. Je vais d'abord dire Yako. Je vais dire Yako, frère. Moi, je pense que c'est. Il est malade. Hassan, il faudrait pas que de la manière il a confié l'histoire à Ayak. Il ne faudrait pas qu'il se papille un peu trop sur les réseaux. C'est que le monsieur qui vient de partir, quoi, tu vois là, il y a 2 jours de cela, moi j'étais sur son lèvre, il est passé par là. Les gens ont un peu cotisé. Lui, même sur son lèvre, il a fait un truc. Les gens ont un peu cotisé. Il ne faudrait pas qu'il se disperse un peu pour avoir raison demain. Oui, c'est ce que le monsieur voulait dire. Ce n'est pas parce que le monsieur voulait l'influencer. Vous voyez, quand tu es trop dispersé aussi sur les lèvres là, ça fait que ça va te pénaliser demain. Tout à fait. Mais si vous devez partir en justice là, ça va te pénaliser. Bien, du fait qu'il y ait la conscience avec Aya, lui a dit qu'il faut attendre les. Vous arrêtez ça. Non, moi je vais te dire que vous pouvez donner la réponse demain. Nous tout ça, on va en vrai, quand tu vas arrêter ça. Voilà. Quand vous voulez que ce soit l'histoire, vous ne pas dire, je ne pas quoi. Est-ce que je vais pas comprendre? Il y a du arrêtez ça. Il faut que vous aussi viennent. Quand tu vois là, non, moi je viens d'abord. Laissez-le parler. Moi je viens d'abord. Ils attendent que moi je panel, quand je vais expliquer mon problème. Ils viennent pour brouiller la toile et puis ils s'en vont. Et vous savez comment les femmes souffrent ici. Depuis cette histoire a commencé là, vous savez comment elles souffrent. L'école médicale s'est passée depuis le 27 décembre. On est jusqu'en juin. Et vous savez comment vous êtes traversé. Je comprends, mais je ne veux pas parler. Vous arrêtez ça, tu ne comprends pas. Il y a un bruit dans sur les panneaux. Vous arrêtez ça, tu ne comprends pas. Moi, il ne veut pas brouiller. Je laisse parler. Moi, il faut les souffrir. Passez mon pied. La puissance. Déjà, écoute-moi. On n'est pas en train de se battre, on n'est pas en train de se disputer. Tu es malade, tu vas te calmer, parler doucement. D'accord? Tu n'as pas besoin de t'énerver. D'accord? Donc, il faut d'abord te calmer là et tu nous expliques tranquillement. Tu n'as pas besoin de t'énerver en fait. D'accord? C'est pour t'énerver, on va couper le live quand tu seras à moi, Revine. D'accord? Mais je peux te calmer. D'accord? Voilà, et explique. Il y a des gens qui sont là, des gens au grand cœur qui sont là, qui vont faire. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Voilà. Ça fait mal. C'est déjà fait. Parce que là, tu es malade. Si tu te nerves, ça ne va pas t'arranger toi-même. Je ne sais pas si tu comprends. D'accord. Donc, vas-y doucement et puis explique-toi.
D'accord. Je vais laisser le parler. Ne vous démutez pas. Piment, coupe ton micro. J'ai plus l'histoire à commencer. Et que j'ai, d'abord, même l'histoire a commencé sur le fait que j'ai fait des posts sur ma page pour demander de l'aide. Et j'ai décrié la souffrance que je traversais. Ils m'ont dit que non, quand ils vont contacter, ils vont venir parler, ils vont m'aider. Ils ont dit un peu mon donné, on dit, ah bon, il faut penser à aller au CHU, il faut aller au croix de monsieur. Quand on m'avait dit d'aller porter plainte contre monsieur directement, c'est moi-même qui ai dit non. Comme il n'est pas entendu la version du CHU, j'ai parti croiser le directeur du CHU. C'est moi-même qui allais croiser le directeur du CHU. C'est pas quoi de va m'envoyer là-bas. C'est quand j'ai croisé le directeur du CHU que j'ai pris son numéro après les promesses qu'il m'a faites. Que je suis venu dire, ah, quand tu vois vraiment, tu m'envoies à Bélé, parler, porter plainte. Mais au-delà de porter la plainte, moi, je vais voir le directeur du CHU directement. Et il m'en donne son numéro. Moi, j'ai capturé de 15. Et puis j'ai envoyé le numéro du docteur Chu à Côte d'Ivoire. Au début, il était chaud sur la toile. Il faut qu'on règle. À un moment donné, il a arrêté ça. Il a commencé à faire les éloges du directeur du Chu là. Parce que le véritable problème, c'est ça qui avait ma conscience. Quand il vient sur le panel, le monsieur c'est un bon homme, c'est un grand homme, il a fait bon parcours, il est bien, il est ceci, il est cela. Il parle plus de ma situation. Je l'écris en PV pour dire, ah, mais papa, c'est comment papa a mon problème là. Il dit, on va voir. Moi j'ai failli être expulsé de ma maison ici. J'ai appelé Côte d'Ivoire, n'a pas décroché. Je l'ai écrit, n'a pas répondu. Il m'a dit l'occupé qu'il est à l'école. J'ai appelé directeur du CHU. Je lui ai laissé des messages. Je lui ai demandé pardon. Je l'ai supplié en tant qu'un père de famille. Ah, il faut m'aider. Il n'a pas répondu. Il n'a rien fait. Il ne m'a plus contacté. Au début, il m'écrivait. Avant, il a coupé. Et puis, ce qui fait mal de moi, eux-mêmes, ils disent que l'erreur n'est pas venue d'eux, qu'ils n'ont jamais fait d'erreur médicale. Il veut m'aider par pitié. Il veut m'aider parce qu'il est humain. Il va me faire une prothèse et puis il allait me débrouiller. Mais quand on offre la prothèse là, il y a la rééducation qu'elle a. Il y a les soins qui sont là, voici si diabétique, voici mon pied qui est coulé. Il y a tout ça là qui est là. Quand j'ai fait l'accident, bon, je suis tombé, toi, là, c'est tombé du cas, mon pied s'est déchiré là. Je l'ai appelé, il a envoyé la photo de la vue. Il doit aller dans tel coin, il va contacter quelqu'un. Voilà, et puis bon, et puis c'est resté comme ça. Moi, ils sont traversés une période qui est difficile. Quand quelqu'un te souffre, qu'il parle de sa souffrance là. Pardon, si vous n'avez rien à dire là-dessus, c'est mon micro descendait. C'est pas politique, il ne sait pas politique. C'est le cas d'un monsieur qui a de souffrir, c'est pas politique. On n'est pas dans le cas de politique. Je ne suis pas de salir quelqu'un. Quand je suis sur le live de Hassan Yek, c'est pas quelqu'un qui m'a dit d'aller monter. Son moment, je n'ai pas vu monter. Parce que moi, Aya Robert m'avait donné de l'argent pour aller faire la consultation. Ça, il fait la consultation, j'ai envoyé même la photo de la prothèse. Le monsieur même qui fait la prothèse, j'ai envoyé, je l'ai filmé pour me dire à Maya. Moi, je suis devenu riche. Je souffre, je demande de l'aide. Mais c'est pas si je suis devenu riche. Quand j'ai envoyé même la photo de Proforma, moi, il n'a pas vu. Non, ce matin, quand il a collé, je suis monté pour lui dire, ah, moi, j'ai voulu la photo de Proforma, y compris la photo de la prothèse, tout est ce qu'il y a besoin. Puis je l'ai envoyé. Si elle s'occupait de moi, là, est-ce que vous allez venir sur le panel encore pour demander de l'aide? Et pourquoi c'est que chaque fois qu'ils montent sur un panel, ils viennent essayer de protéger l'image du directeur du CHU? Moi, pas bien de protéger son image. Moi, je souffre. Moi, c'est ma souffrance qui est en train de relater. Mais quand ils montent sur le panel, ils protègent l'image du directeur du CHU. Ils protègent son image. Donc, si je comprends bien, attends, calme-toi. Si je comprends bien, c'est toi-même qui as donné le numéro du docteur du CHU à Côte d'Ivoire. Oui, c'est moi qui ai pris son numéro du docteur du CHU. Il ne le connaissait pas. N'a jamais parlé à lui. C'est moi qui ai pris le numéro du docteur du CHU. Et puis, je l'ai apporté ça. J'ai la capture de quand. Ouais, maintenant, Côte d'Ivoire. Ça, pardon, je vais faire chose. Dès qu'il m'a pas bien compris, c'est. Il dit du fait qu'il a parlé avec Aïe. Non, attends, je vais finir. Dès qu'il m'a pas compris, m'en veut. Il t'en veut pas. Personne ne t'en veut ici. Est-ce qu'il te connaît, puis va t'en vouloir? Puis, m'enferme ton micro, s'il te plaît. Il te connaît pas. Moi, il veut comprendre quelque chose. Faut attends. C'est pas Béré, on attend les faits ici, s'il vous plaît. C'est pas Béré. Au débat, ça là, on va arrêter. Moi, il veut qu'on fasse un petit don. Les histoires d'Angbéré ont parlé. Toi, a dit, moi, a dit là. Il veut même pas ça. Franchement, il n'a même pas la tête à ça. Donc, c'est pas Béré. Ne transformez pas ça en Béré, pardonnez. Donc, si je comprends bien, tu as donné le numéro. Maintenant, c'était ça date de quand? Ça date depuis le. C'est le 10 mai. 10 mai, non. 10 à, on est 10 à 11 mai là-bas. C'est un truc comme ça. Mm-hmm. C'est là, depuis le numéro que j'ai envoyé à Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait dit que. Il allait échanger avec le monsieur. Quand il me dit qu'il connaissait le monsieur depuis avant, ça m'étonne. C'est moi qui ai le mot pour lui donner. Moi, en fait, moi, ce que je pense, c'est quoi? Eux, ils sont des protégés de l'image du monsieur, mais ils oublient pas ce sens. Maintenant, là, moi, je laisse-les de côté. Tu as la facture là, sur toi là-bas? Oui, la facture, il a laissé ça à Abidjan. Il n'a pas gâté, il a mis ça dans mes documents à Abidjan. Après, il devait retourner là-bas. Là, tu vois, actuellement? Je suis revenu à Bengou depuis hier. Depuis avant-hier. Quand je l'ai écrit, je suis rentré. Ok, tu vois. Comme je marche avec des béquilles, le fait que je puisse froisser la facture, j'ai mis ça chez ma grand-sœur. Côte d'Ivoire, pardon. Vous voulez vous n'avez pas clash. Hein. De toute façon, tu veux monter là, ça vient faire discours encore, mais c'est quoi? Hein? Pardonnez. Il ne veut pas clash. Il ne veut pas débérer. Il ne veut pas débat. Ok. Il a une facture de 2 millions. J'arrive. De 2 millions. Attends, je vais vous montrer la facture. J'arrive. Eh, Jésus, mon Simando. Ah!
D'accord. Tiens pour mon téléphone, il va vous montrer. Ah. Et Jésus. Ouf. Côte d'Ivoire, attends. Tu as descendu, mais tu ne m'as même pas dit que tu descends. Tu as descendu, attends, voilà. Ça ne te dérange pas qu'on mette les informations, ton nom, tout ça, non? Moi, je ne me dérange pas, moi. Tout ce qui est la facture, je peux la présenter à l'intégralité comme ça. Oui, on peut la présenter, pas de problème. Il faut que je demande ton avis. Tu as besoin d'aide, mais tu as des trucs aussi. Tu as des droits. Voilà. Donc, je vais enlever. Voici. Je ne sais pas si vous voyez. Si c'est la facture Profama qui m'a envoyé là. Donc, voilà. C'est un montant de... Du coup, je vais essayer d'agrandir un peu pour que vous voyez. Voilà. Donc, 2 500 000, c'est pour la prothèse. Voilà. On va aller maintenant avec un peu ce qu'ils m'ont envoyé, la prothèse là. Moi, j'avais même pas vu ça. Donc, donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui l'intéresse. Il tient vraiment à une prothèse. Non, il allait se coucher, mais il allait s'asseoir devant une mosquée pour demander l'argent. Quand même, il fournit l'effort possible. Lui, c'est qui? C'est le mec, ça? C'est le monsieur qui correspond les prothèses là. Qui fait les prothèses, d'accord. On va pas trop mettre son visage sans son autorisation, voilà. Donc, le numéro là, c'est ça qui est 0101 pour envoyer l'argent là, c'est ça? Envoie-moi le numéro, écris-moi le numéro là. Pour les dons là. Ou bien au pire. Là, si je veux même plus faire confiance à quelqu'un. J'ai eu à faire confiance en envoyant l'argent sur le nom des gens ici là. Bavardage qui est sorti dedans, mon nom même a traîné. Donc, c'est toi-même ta prothèse. L'argent, on va faire ça sur toi-même ton compte. Et puis, à chaque fois, tu vas nous faire le point. Donc, écris le numéro pour que les gens puissent voir. Aya, je vais descendre maintenant. D'accord, Amy, tu peux voilà, descendre. Vraiment, je voudrais te dire merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour les gens sur les réseaux. Merci beaucoup. Voilà, oui. Fais-le merci avec le cœur. Aide ton frère comme tu l'as commencé, il faut terminer. Voilà, oui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, chacun vient, il dit pour lui, il dit comme ça pour le matin vu. Mais en réalité, le jeune, vraiment, il souffre. Voilà, moi, je ne le connais pas, mais je l'ai vu hier dans les réseaux. Et puis, j'ai vu comment ça s'est passé hier chez Hassan. Voilà, il n'y a pas eu de bon retour, mais vraiment, merci. En fait, il veut jouer un jeu avec le jeune, laisser son affaire comme ça, et puis il n'aura pas de but. Mais ce que tu as commencé, il faut terminer. Il faut l'aider, il va avoir sa prothèse, il va vraiment se débrouiller, c'est encore mieux comme ça. Vraiment, merci pour tout, ma soeur. Est-ce qu'on va essayer de faire? Voilà, que Dieu te bénisse. Moi, je suis en bas, je suis dans les commentaires. Merci, ma chérie, c'est gentil. Il faut me faire descendre. Ok. D'accord. Excusez-moi, je voulais juste intervenir, puis je vais descendre parce que je dois prendre Ok, allez-y, on vous écoute. Côte d'Ivoire, tu peux faire ta demande. J'ai pas suivi le début de l'intervention du jeune. Mais ce que moi j'aurais dit, ce que j'aurais souhaité, c'est bien vrai que il y a tu m'as pas écrit le numéro, hein. Écris-moi en WhatsApp, s'il te plaît. Vas-y. Bah, bien vrai qu'il y aura des cotisations pour pouvoir soulager un peu sa douleur. Mais dans la logique est que il pose plainte. Ça c'est logique. Il pose plainte, même s'il n'y a pas de suite. La plainte là, ça va lui permettre d'avoir une suite plus tard. Qu'on pose plainte, c'est pas dans le média, mais dans la logique là qu'il pose plainte. Il pose plainte, il peut garder la plainte.
Ok, moi personnellement, voilà, ce que je alors vous m'écoutez. Moi, les histoires de plainte, les histoires de poursuites, là, franchement, je veux même pas m'en mêler. Non, madame, moi, ce que je, madame, je comprends. Excusez-moi. Non, mais attendez. Son pied qui est amputé, là, c'est pour la vie, hein. C'est pas un truc. Mais je ne suis pas en train de dire. C'est pour la vie. Écoutez, vous m'écoutez ou pas? Je ne suis pas en train de dire le contraire. S'il doit porter plainte, c'est un adulte. Moi, je n'ai pas à lui dire d'aller porter plainte. Il sait ce qu'il doit faire. Moi, je ne vais pas lui dire quoi que ce soit. Je ne l'interdis pas de porter ou de ne pas porter. Ça, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est de l'aider avec ma petite communauté que j'ai pour qu'il puisse avoir une prothèse. C'est ce qui va faire ma fierté. C'est-à-dire que les personnes qui me suivent de bonne foi, les inconnus en or qui me suivent là, si à travers eux, on a pu collecter au moins 3 millions pour qu'ils puissent acheter sa prothèse, moi, je serai la plus fière. Voilà, s'il a sa prothèse, après s'il veut porter plainte, il fait ce qu'il a fait, moi je rentre pas dedans. Voilà, je ne veux même pas rentrer dans ce genre d'histoire, franchement, je suis vraiment désolée, mais il fera ce qu'il veut, lui, après. Il fera ce qu'il veut. Donc, moi, ce que je veux en ce moment, voilà. Là, je vais descendre, ouais. Non, mais je reste tout dans les commentaires. En tout cas, mon frère, beaucoup de courage. Ok, on commence, on va commencer les dons. Moi, je vais t'envoyer un dépôt, ok? Bon courage à ta famille aussi. Ok, on va commencer. On va commencer. Je te mets en grand. Hein. Voilà. Je te mets en grand. Comment il s'appelle? La puissance. Moi, comme je disais au monsieur là, il n'a pas compris. Moi, si tu veux porter plainte, tu veux ne pas porter plainte, c'est toi qui vois, tu vois, non? Madame. Tu feras ce que tu auras à faire. Mais moi, je ne vais pas te dire va faire ci, va faire ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse cotiser pour toi, tu vois, non? Pour t'aider. C'est tout ce que moi, je veux. Donc, s'il vous plaît, attends, je vais m'envoyer la capture pour mettre ça en grand. Ne quitte pas. Voilà, je vais mettre ça juste derrière moi. Parce que je pense pas que tu pourras mettre ça. En tout cas, ça passe pas, je comprends pas pourquoi. Ok. On prend pas bien le numéro. Ouais, TikTok est trop mauvais. On va pas bien. J'ai bien fait une bonne capture. TikTok, je sais pas, ils ont quel problème. Bon. J'arrive. Je vais me mettre en grand pour que les gens puissent... Mais écris ton nom aussi. Écris ton nom, refais. De toute façon, tu as écrit là. Rentre là-bas, écris ton nom. Tu mets... En bas du numéro, là, tu mets ton nom aussi. Tu me renvoies ça. La famille, faites parler votre cœur. Même si on ne pourra pas tout faire ce soir, là, ce n'est pas grave. On va poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Côte d'Ivoire est monté. Ok. Côte d'Ivoire, on t'écoute. Hein. Merci beaucoup, Aya. Mm-hmm. Alors, je ne suis pas venu pour intimider quelqu'un, non, pas du tout. Vous savez, mm-hmm. Le frère, quand il avait commencé à se plaindre, je ne sais pas si vous connaissez le grand frère Kiki, Mamadou, ce jour-là, je n'étais même pas là-bas. La mm-hmm. puissance était là-bas, il a expliqué son problème. Et c'est comme ça, Jacob était là. Jacob m'a appelé directement. Et puis il m'a dit le cas du frère, la situation qu'il est en train de traverser, qu'il a décrié partout, personne ne l'écoute. Et personne ne veut le recevoir. Je lui ai dit, ok, il faut me mettre en contact avec lui. Et on va régler ce problème. Mm-hmm. Et c'est ainsi le lendemain, par curiosité, Jacob, je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon, viens, tu vas m'expliquer ce que tu m'as dit au téléphone. Et mm-hmm. essaie d'appeler le jeune pour qu'il vienne. Et c'est comme ça, le jeune, il est arrivé, effectivement. Il a expliqué tout ce qu'il a vécu. Depuis, mm-hmm. je ne sais pas si c'est le mois de décembre. Moi, mm-hmm. je peux dire, je suis au courant, c'est peut-être un mois. Mm-hmm. Un mois de cela. Et maintenant, quand il a expliqué, je lui ai dit, bon, le médecin, il m'a fait même les captures d'écran pour le médecin qui l'a soigné, qui a été. Parce qu'il n'a pas été amputé au sud du Cocody. Mm-hmm. Voilà. Donc, il m'a donné le numéro du médecin. Il dit, ah bon, c'est le sud du Cocody. Donc, moi-même, j'ai appelé le docteur. Mm-hmm. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, il m'a demandé même d'abord de m'identifier, je me suis identifié, tout ça. Mm-hmm. Donc, par peur, le médecin dit, bon, lui, il est un peu mal placé, lui sait ce qui s'est passé, mais il va me mettre en contact avec l'équipe de le service de communication. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de service de communication. Est-ce que ce que l'enfant est en train de dire, est-ce que réellement c'est vrai? Il a dit que lui, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Mm-hmm. La puissance qui est là. C'est ce jour-là, le lendemain, ils ont appelé la puissance de se rendre au CHU. Je lui ai dit, tu ne peux pas aller seul. Je vais te faire accompagner par quelqu'un, un gendarme. Il est là, comme il dit que peut-être moi je ne connais pas M. Meïté. M. Meïté et moi, on vient du même village. Donc j'ai dit, bon, j'ai appelé Jojo, que j'étais son nom. J'appelle Jojo, j'ai dit, bon, Jojo, accompagne l'enfant, assure-toi, il faut bien écouter, parce que moi je veux qu'il aille porter plainte. Mm-hmm. Qu'il aille porter plainte parce que c'est inacceptable. Le président de la République, il a toujours été contre l'injustice. Mm-hmm. Donc voilà comment j'envoie Jojo avec la puissance. Ils sont allés effectivement le jour. Le directeur, ils ont expliqué. Le directeur m'a dit qu'il était prêt à porter plainte contre moi et me l'a dit au téléphone. Je lui ai dit, si tu portais plainte, avant de me connaître, mais on allait voir qui est qui dans ce pays. Voilà pourquoi il dit qu'il, bon, lui, ça s'est passé. Eux, ils n'ont pas amputé la jambe parce qu'ils voulaient le faire, mais l'enfant, il a refusé. Il a refusé, moi, je ne sais pas pourquoi, mais il a expliqué qu'il ne voulait pas amputer sa jambe au sud de Cocody. Il allait à Bondoukou pour aller le faire là-bas. Il dit, bon, l'un n'est pas là-bas. Puisqu'il dit qu'il y a eu erreur, maintenant, il faut trouver la solution pour qu'il puisse marcher. Et c'est comme ça, le directeur a dit, effectivement, en tant qu'un être humain, en tant que musulman, moi, je prends la garantie de lui donner la prothèse. De lui donner la prothèse. En attendant, quand il aura la prothèse, il aura le suivi de près. Il aura le suivi. D'accord ? C'est comme ça, la puissance est partie. Ce jour, même jour, j'ai dit à tout le monde, tous ceux qui me suivent, de voir un peu ce que chacun peut envoyer, pour l'aider en attendant. Mais moi, je suis occupé. Même si tu m'as appelé que tu ne m'as pas eu, ça ne veut pas dire que j'ai laissé la fin. Quand tu veux dire aujourd'hui que peut-être, docteur Meïté, moi, j'essaie de le protéger, mais non, je ne suis pas là pour le protéger. Nous, on est contre l'injustice. Moi, ça me plaît de l'aider. Mais si il a dit qu'il va prendre la garantie de régler cette histoire de prothèse, il a donné rendez-vous mardi. Mais moi, je ne vois pas de problème. Je ne vois pas de problème. S'il a pris la garantie, parce qu'aujourd'hui, là, Aya, je lui ai dit, il dit les gens vont parler, les réseaux sociaux, c'est vrai, on va cotiser. Mais et après, on va se donner la prothèse, et après. Donc dans la vie, il ne faut pas tout gâcher parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous on comprend sa douleur, je comprends sa douleur. Mais la solution, s'il a dit mardi, viens, tu vas venir, ils vont prendre les mesures, ils vont régler ça rapidement. Il peut poser la plainte. Moi, je lui ai dit, il peut poser la plainte, il n'y a pas de problème. Puisque l'hôpital peut se défendre seul, la puissance est un adulte, il peut prendre un avocat, il peut poser la plainte, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Nous-mêmes, on peut l'accompagner aussi dans ça. S'il gagne le procès, c'est lui. Moi, je n'ai rien demandé à la puissance. Je le fais en tant qu'un être humain. C'est tout. Il ne faudrait pas qu'il dise que oui, c'est lui qui est parti au CHU. Il a pris le numéro et m'a donné. Mais le gendarme qui t'a accompagné là, tu ne savais pas qu'il avait le numéro? Mais c'est moi qui t'ai dit, puisque je ne voulais même pas que le docteur même ait mon numéro. Parce que moi, je n'aime pas partager mon numéro. C'est là que je lui ai dit, je vais voir ce qu'il a dit. Envoyez-moi le numéro, je vais l'appeler. Pour que moi-même me dise qu'il a pris la garantie. C'est comme ça. Maintenant, si tu souffres, je comprends. Mais quand même, de grâce, Aya, c'est-à-dire, il a donné sa parole et il va payer ça, il va donner la prothèse. Et le reste maintenant, la puissance, il va marcher. Le reste, il n'y a pas de problème. Il peut aller poser plainte. Voilà. C'est ce que moi, je voulais dire, Aya. Donc, il ne dit pas que je suis en train de défendre le directeur ou bien le DG du CHU. Non, non. Ce n'est pas comme ça. Moi, on m'a contacté comme vous, comme Hassan aussi. Moi, c'est quelqu'un qui m'a contacté pour son cas. Voilà. Ok, faut pas te fâcher, grand frère. Hein? Peut-être que, bon, tu sais, comme il est malade et tout ça. Tu vois, non. Faut comprendre un peu. Faut te mettre à sa place. Peut-être qu'il s'est mal exprimé. C'est ton petit frère. Après, vous allez vous appeler pour parler. Je m'excuse pour lui. Mais faut comprendre. Quand tu n'es pas dans une situation, tu peux pas comprendre un peu la douleur. Déjà, je te remercie pour ce que tu as fait. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas parenté à lui. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que tu as fait là, tu as vu? Donc déjà, prendre ton temps à appeler, le faire gagner un peu d'argent sur ton panel, c'est déjà beaucoup. Moi, je suis reconnaissante par rapport à ça. Voilà, donc, faut laisser. Faut pas te fâcher. Ce que tu peux faire pour lui, faut le faire au nom de tes enfants ou tes frères et sœurs ou au nom de Dieu, tout simplement. Voilà. Faut pas te fâcher, grand frère, pardon. Pardon, parce que là, lui, il a mal au pied, il a le pied qui coule, tu vois, c'est énervant.
un homme, il a deux enfants, il n'arrive même pas à joindre les deux bouts avec ses enfants. Sa femme est là, sa femme le regarde, il n'arrive pas à vraiment, tu peux pas comprendre. Un coup, tu avais tes deux pieds, un coup, on coupe tes pieds. C'est vraiment, faut vivre ça pour comprendre. Donc, faut pas te faire. Il a dû mal s'exprimer, il a dû mal, mais vraiment, moi, ce que tu as fait déjà pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Prends ton temps pour faire tout ce que tu as fait là, c'est beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Maintenant, là, on va aller au plus important. Voilà, il dit qu'il n'a pas encore eu de nouvelles. Moi, en fait, il est venu me voir. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il est venu me voir il y a de cela, la semaine passée. Et moi, je lui ai dit, c'est moi-même qui lui ai dit, vas-y, prendre toutes les informations concernant la prothèse et tu me renvoies ça. Voilà. Donc, il dit qu'il n'avait pas de transport. Donc, ce jour, on a cotisé 150 000 ici pour lui donner vers 5 heures du matin. On va quoi, hein? Viens, mon amour, viens. Viens, papa. Viens, reste à côté de moi. Tu vas aller. Elle est. Attitude. Il est content de faire ça. Le fusier. Hein? Le fusier, là. Hein? J'arrive, hein? Le fusier. Salut maman. La petite maman. J'attendais que tu te réveilles. Donc, excusez-moi. Donc, il disait que. Moi, je lui ai dit, il n'a qu'à partir. Viens, papa. Il n'a qu'à partir voir combien ça fait et puis il va venir nous dire. C'est ça, il est parti et puis il a pris l'ordonnance. Voilà, c'est moi qui l'avais demandé ça. Maintenant, comme il n'avait pas mon numéro, c'est, je pense que c'est avant-hier ou hier, là, j'étais sur un live, il est venu là-bas. Et puis, je suis rentrée dans son TikTok, lui, dans mon numéro en même temps. Bon, il m'a envoyé les informations, je n'avais pas vu. Donc, tout à l'heure, comme j'ai lancé un live, il faut dire à mes candidats de s'apprêter pour ce soir-là. On allait commencer le live à 17h, il est venu sur le live, puis il m'a dit, ah, maman, hier, je t'ai envoyé les trucs. Il dit, ah, mais je n'avais pas vu. Donc, j'ai regardé, voilà, et puis j'ai vu, et puis dit, ok, on va essayer de collecter un petit fonds. Maintenant, ceux qui vont donner l'argent, il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit. C'est comme ça que je lui ai demandé de répéter, d'expliquer ce qui s'est passé. Sinon, ce n'est pas qu'il s'est promené de panel en panel. Hein. Non, non. Parce que ça, par contre, il y a eu un malentendu là-dessus. Et comme il est énervé, il n'a pas pu expliquer. C'est moi qui lui ai dit, comme il y a des gens qui veulent leur demander de cotiser, il faut qu'on leur explique ce pourquoi ils doivent cotiser. Donc, je lui ai demandé d'expliquer l'histoire. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est venu ici. Hein. Lui et moi, c'est depuis la semaine passée et c'est moi qui lui ai envoyé l'argent. Il a dit c'est moi qui lui ai envoyé l'argent. C'est moi qui ai fait une cotisation ici de 150 000 francs CFA pour qu'il puisse aller à l'hôpital pour faire son bilan et nous dire combien la prothèse coûte et qu'il allait revenir ici. Donc, quand tout à l'heure, j'ai vu ça, ben, il m'a envoyé les ordonnances depuis longtemps. Moi, je n'avais pas vu. Donc, tout à l'heure, comme je l'ai vu, j'ai dit la puissance, ça va. Tu es parti là, tu ne m'as pas fait de retour. Monte. C'est comme ça, il est monté, il a dit, oui, je t'ai envoyé ça. C'est quand tu m'as envoyé les documents. Ton micro est fermé. Depuis avant-hier. Voilà, depuis avant-hier. Hein. Donc, moi, c'est là que je suis allée, j'ai vu. Puis, je dis, je n'avais pas vu. Même s'il a remarqué, je n'avais même pas vu. Là, j'ai vu. C'est là que je dis, oh, on va faire un petit don. Mais il faut que tu expliques aux gens ce qui ton problème. Donc, quand il a commencé à expliquer, il y a une dame qui est montée, qui a dit non, il était chassé à Yek. Voilà. Mais c'est normal parce que s'il m'a écrit aussi que moi, depuis avant, je n'ai pas regardé et qu'il souffre. Lui, il cherche partout, il y a ouverture là. Il se met là-bas, il ne va pas forcément compter sur moi. Voilà, parce qu'il m'a envoyé ça depuis avant, moi, je n'ai pas réagi. Lui, il cherche aussi à guérir. Donc, partout, il y a le bonheur. Si quelqu'un te dit que viens ici, quelqu'un va t'aider là, lui, il va partir. C'est pas que. Voilà. Maintenant qu'il faut quelqu'un qui soit disponible à gérer son affaire, c'est pour ça que moi, c'est Sénic Kangwa, si Sénic Kangwa avait géré. Sénic Kangwa a dit que je t'ai écrit. Donc, en fait, comprenez-le. Il y a celui qui vit l'histoire et puis il y a celui qui veut comprendre. C'est pas facile. Tu marches tes deux pieds, tu te réveilles matin, tu n'as plus deux pieds. Tu n'arrives pas, tu ne peux pas te déplacer pour aller travailler pour tes enfants. C'est vraiment pas facile. Donc, vraiment, Côte d'Ivoire, il faut t'apaiser, pardon. Il faut t'apaiser, pardon, hein, grand frère, pardon. Aya, c'est pour ça, et vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis un journal spécialement
pour régler, parce qu'avec les soi-disant réseaux sociaux et financiers, nous, on n'est pas sur le terrain. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai mis un gendarme. Au cas où lui-même il essaie, je l'ai laissé sur son numéro. S'il y a quelque chose, il faut l'appeler. C'est vrai, on peut envoyer l'argent, mais il faut quand même du suivi. Parce qu'on ne va pas se limiter là seulement sur la prothèse. Il y a beaucoup de choses. Même hier, la rencontre, lui n'était pas au courant, mais ce matin, on allait l'appeler. Moi, j'ai été. Bon, moi, je n'étais même pas là. C'est quelqu'un qui m'a partagé pour dire viens voir sur les lèvres de Aya. La puissance. Bon, je ne savais pas qu'il était en train d'expliquer ce qu'il a vécu. Non, c'est moi mais... qui lui ai demandé d'expliquer. Voilà. Hein. C'est pas que c'est lui qui voulait expliquer. Exactement. Voilà, exactement. Je lui ai dit comment raconte petit don. Pour voilà. Que aux gens dans ta situation, avant que les gens m'ont cotisé, tu connais un peu les gens d'Internet. Tout à fait, tout à fait. Ils vont pas cotiser sans. Sinon, c'est moi qui lui ai demandé d'expliquer, puis l'expliquer. C'est pas lui qui voulait. Donc, vraiment, merci beaucoup. Comment merci, je suis un peu, merci beaucoup pour les gestes. Que Dieu vous bénisse. Et on va tous participer. Merci, grand frère. Et voilà. Pas. Et si. Grand frère, pardon, il ne faut pas l'abandonner. Hein. Exactement, exactement. Faut pas le laisser. Mais déjà, moi, je vais l'appeler tout à l'heure parce qu'il a dit, mardi, s'il me donne la confirmation du verset, parce que je vais lui dire la prothèse. Donne-lui rapidement pour qu'il marque. Peut-être cet agent s'appelle voilà. Okay. En tout de cas, côté, même si il a eu la peau, tout est bon. S'il a eu la peau, okay. Peut-être aussi sans payer. L'agent, ça va vous le servir. Voilà. Exactement, exactement. Ça va le servir à faire son business. Donc, la cotisation même, ce n'est pas perdu. Exactement, tout avec à fait. Payer la prothèse, ça peut le servir, tu vois. Donc, tout, c'est, tout compte fait, c'est toujours bon de faire la cotisation. Donc, pardon, ne pas te fâcher, ne pas oui. L'abandonner. C'est ton petit frère. Fais le mieux que tu peux pour lui, pardon. Tout à fait. Merci beaucoup. Et bon live. Que Dieu te bénisse. Merci. D'accord, merci. Bon après-midi. Bonsoir. Bonsoir, maman Saya. Oui, ma petite soeur. Oui, hey, tu as tellement bien parlé que mon mec, c'est même plus ce qu'il y a ajouté. Vraiment, merci beaucoup. Tout ce que tu fais là, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va toujours te bénir dans toutes les circonstances. Amen, amen. Dans toutes les circonstances qui t'ouvrent les portes qui t'ouvrent les portes. C'est à tout, tu vas mettre tes pieds. Ma petite soeur, c'est bon dans bénédiction là. Mais de toute façon, tu es en train d'aider notre frère là. Nous tous, on va participer. Moi-même là, je n'ai plus rien à dire. On a qu'à commencer. On va tous participer. Comment il y a commencé. Peut-être si on peut donner, ils n'ont qu'à donner l'argent là, comme on a dit même là. Lui-même va quand même pour faire aussi autre chose. Ça peut servir. Tu vois, les cotisations sont bonnes. Donc voici son numéro, voici son bonsoir numéro. Bonsoir tout le monde. Attends, Mimi l'amour, attends d'abord une minute de commentaire. Okay. Donc voici sur le numéro, voici la prothèse même qui est là. Lui-même c'est lui qui est sur la photo. D'accord. Okay. Donc si on fait le rangement nous ou le web, on t'envoie une capture d'écran. Bon, ça dépend de vous hein, ça dépend si vous voulez m'envoyer. Mais okay, lui-même tout ce qu'il va recevoir après lui montrer. Il va te montrer. Pour okay. Savoir. Voilà, okay, il veut pas déléguer quelqu'un les histoires là. Non, c'est mieux même. C'est mieux comme ça. Si il a pris, il a bouffé, c'est son problème. Il ne va pas bouffer. Il ne va pas bouffer. Il n'arrive pas à sa réalité. Il y a ses enfants qui sont les pieds à la femme. Donc, voilà. On va tout faire pour que lui aussi soit bien. Comme ça, toi aussi, tu seras tranquille. Voilà, tout va rentrer dans l'œuvre pour qu'il soit heureux. Ok, donc attends, il va expliquer d'abord. Okay, voilà son numéro. Ça, c'est Move. Ok. Et puis, c'est Wave. Ça, c'est Orange Money. Et maintenant, ceux qui vont envoyer sur WhatsApp, sur MoneyGram et puis Rial. Voici okay, ton nom. Ok, c'est parfait. C'est ça. C'est parfait. Mais la puissance n'a pas. Le nom de Wave là, c'est quoi? C'est quel nom? C'est mon nom là, une assez affiche. Tu n'as pas dit qu'il y a un nom qui est pour ta femme dedans? C'est Orange là. Mais pourquoi tu n'as pas mis le nom là aussi? Tu ne m'as pas envoyé pour qu'on mette pas. Les gens vont demander. Moi, mets dans les commentaires, c'est pas grave. C'est quoi? Après, s'il vous plaît, la famille, on fait parler notre cœur pour notre frère. Il n'y a pas de montant exigé, c'est ça, non? Non, la somme à payer, là, c'est 2 500 000. Bon, okay. Moi, je dis, bon, on peut aller jusqu'à 3 millions si on fait la cagnotte. Mais après, chacun donne ce qu'il veut, tu vois, non? OK. Même 1 euro, 5 francs, 2 francs, c'est quelque chose. Le plus important, c'est de participer. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de somme forcément. Pas de somme, forcément. On n'impose pas de somme. On n'impose pas de somme. Voilà. Miss Dabou, c'est quoi ça? Dabou, non? Dabou. Non, Aya, tu ne peux pas gâter mon nom comme ça? Moi, il y a un problème avec le nom. Il faut m'envoyer la police. D'accord. C'est Dobo, c'est ça? Oui, c'est Dobo. Ok, merci. Donc, je voulais un peu savoir la cotisation concernant le jeune frère. C'était par rapport à quoi? Okay. Ok, donc il a eu une erreur médicale dans PCP, en fauteuil, bien comme on dit là. Oui, c'est ça. Donc il a besoin d'une prothèse. Ah, d'accord, c'est pour acheter une prothèse. Pour acheter une prothèse. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ça. Et c'est le numéro là qu'il a mis là, donc.
Voilà. Au lieu de trop parler, si on peut faire, on va le faire. On n'est pas qu'on lui demande, il va toujours écrire dans les commentaires. Mais il y a mis ça. Pas de soucis. Allez, donc, à plus, on va prendre les numéros et puis voilà. Merci. On va aussi de parler un peu de l'autre côté. C'est pas moi, c'est la dame. La famille, on fait parler le cœur, s'il vous plaît. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais qui vous êtes. Voilà. Je sais qui je suis. Ou bien qui me suis. Voilà. C'est ça là qui est bon. C'est dans ça là qu'on doit être. Aider les autres. Aide ton frère. Moi, j'ai enfant garçon. Donc, tout ce qui touche aux hommes, là, ça me fait mal. Tu l'aides là, c'est pas pour lui, c'est pour ton frère, c'est pour ta soeur, c'est pour ton enfant demain. Donc, s'il vous plaît, est-ce que tu reçois déjà des choses? Mon papa me dit que depuis on est 800 et quelques personnes connectées. Non, moi j'ai encore rien reçu, c'est pas si mon frère se rend déjà parce que... Il faut aller regarder, parce que c'est quand la dernière fois que tu n'avais pas reçu, ça a reçu. Ma femme est sortie parler, c'est de bruit un peu, elle parle de son téléphone là, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je suis à m'appeler. Ok. Donc, on commence les dons dans la famille. Ben, c'est Béré qui vous plaît. Hein? C'est Béré qui vous plaît. On commence à aider le frère un peu. Vraiment, il est très souffrant. Donc, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez envoyer, en tout cas, c'est Dieu qui va vous bénir. Franchement, moi-même, je ne peux pas vous bénir, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu, lui seul. Qui va vous bénir. Moi, j'ai confiance en vous. Voilà. Je sais que dans tapis dans l'ombre, il y a des gens qui me suivent, qui m'aiment, qui ont un cœur. Voilà. Donc, je vous expose le problème de votre frère africain, parce que je ne dirais pas ivoirien, africain, qui a des problèmes. Donc, sa prothèse, là, c'est 2 500 000. C'est ça, hein? Si vous êtes vraiment des plus inconnus en or, ne versez pas mon visage par terre. On peut le faire. Il a déjà expliqué. Expliqué tous les jours. Il a déjà expliqué, non. Il a déjà expliqué. L'explication a même l'a mis dans le problème. Elle a déjà expliqué. Pardonnez, partagez le live. On partage le live. Partagez le live aux personnes, aux bonnes personnes. Moi, il commence dans la cagnotte, il commence à 100 000, il donne 100 000. Maya, Ayar, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, et vous? Ok, on rend grâce à Dieu. Nouvelle. T'as une bénédiction nouvelle? Oui, je vous écoute. Ah, toi tu es monté, c'est nous, toi tu écoutes. Vous dites? Je te demande une nouvelle, tu dis, tu nous écoutes. C'est nous, on t'écoute. Oh, je n'ai pas de nouvelles. Je suis monté pour vous saluer au moins. Ah, c'est gentil. Vous préparez bien le conseil, j'espère. Oui, ça se prépare très bien. D'accord, on sera tout bon. Ok, bon, bisous. On est en train de faire une cotisation ici. Je rappelle avant. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. La puissance, essaye encore d'expliquer. Les gens sont très posés des questions. Expliquez-le encore. Il y a ça aussi. Attends, elle partage ma grande mère. Elle ne s'adore pas. Elle partage à mes personnes. Vas-y, parle. D'accord.
Alors, bonjour tout le monde, merci de vous connecter à ce moment. En fait, j'ai eu un accident de circulation alors que je me rendais sur Pougon, partir prendre mon insuline. Voilà, merci beaucoup madame. Par exemple, mon insuline pour venir piquer chez ma grande soeur. Et en route, j'ai eu un accident de circulation d'un gros camion qui m'a percuté et puis il a fui. Donc, c'est mon os là de la cuisse qui était cassé. Mais c'était cassé à l'intérieur. Donc, on m'a envoyé à Foubani. Là-bas, ils ont dit non, qu'ils ne peuvent rien faire. On ne peut rien faire. Donc, on m'a envoyé à Cocody, au CHU de Cocody. Excusez-moi. Arrivé au CHU de Cocody, le médecin ne m'a pas touché pendant 2 jours parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, le temps d'avoir l'argent, quand il a envoyé l'argent, c'est là maintenant, il a mis un antidouleur. Depuis 2 jours là, mon pied est enflé, je supportais la douleur. Donc, d'accord. Donc, arrivé à l'hôpital, il a eu une erreur médicale par la suite. Voilà, il a fait une plate, le plate a serré mon pied, et puis mon pied les nerfs sont étouffés, le sang a arrêté de circuler, mon pied est gâté. Donc, à la suite de cela, j'ai été amputé. J'ai été amputé de la jambe gauche. Parce que pourquoi aujourd'hui, je suis demandé, ils vont de l'aide pour acheter une prothèse afin de remarcher. Là, c'est un peu ça. Partagez le live, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de nom de quelqu'un. Oui, on m'a dit qu'il fallait ce nom de loge, ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup. Maman 1504, on a vous connaissé, vous êtes de la médecine peut-être. Ils ont dit qu'il fallait ce nom de loge. Maintenant, eux, ils refusent de l'heure médicale. Alors que le syndrome de loge est provoqué par un plat qui est serré ou une bande qui est très serrée, qui étouffe les nerfs. Eux, mais dans leur rapport, ils ont mis ce nom de loge. Mais après, ils disent que ce n'est pas leur faute et ils ne reconnaissent pas l'heure médicale. On fait vraiment mal, quoi. On fait très mal. Ah, merci beaucoup, maman. Andrea, vous savez, vous connaissez plus la médecine. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas que c'est faux. Alors que eux me donnent un rapport mis syndrome de loge. Or, le syndrome de loge est provoqué par un plat qui est très serré, qui touffe les nerfs, ou une bande qui est très serrée, qui touffe les nerfs. Ah, moi, ils disent qu'eux, ce n'est pas de l'erreur médicale, qu'ils veulent m'aider de façon volontaire, par pitié, comme ils sont humains. Mais depuis, l'aide là, ça ne vient pas. Actuellement, on va se rendre plus que cool ici. C'est pas moi, j'ai jamais allé faire de radio, ni de la même, savoir qu'il y avait du pus de mon pied. C'est quand moi, ici, m'a aidé, je suis parti faire. C'est là, elle m'a dit qu'il y avait du pus de mon pied. Amy, miracle, pardon, laisse le gars se libérer. Ah, arrête de le traumatiser tes questions. Il y a quoi? Miracle, tu as quel problème? On a parlé de cotisation, même là, vous êtes là, même vous n'êtes même pas, même 1000 fois, 1000 fois, commencez à envoyer un peu, même 500. Mais vous êtes tenté de le touffer. Il y a quoi? Laisse-le parler. Voilà, quand tu commences à cotiser pour lui, on te dit, on vous dit, il y a une facture. Il veut parler, tu dis, il ne faut pas parler, pourquoi? Quand on a mis le plat là, oui, ça, le plat a serré. On va parler pourquoi. C'est lui qui a vécu sa chose. Couper pied de quelqu'un, c'est facile. Quelqu'un qui marche, qui est né, ses deux pieds, on se lève, on coupe ses pieds pour un bon matin. Il ne faut pas va trop parler. Donc, actuellement, le pied, maintenant. Tu n'as pas parlé mal, mais il faut arrêter de mettre les commentaires. Il ne faut pas trop parler. Vraiment, il dit, mais ça, Maya, si elle allait mourir ici. Il ne savait pas que le pied avait du pied à l'intérieur. Si on va donner un peu d'argent pour aller faire des analyses, il y a peut-être un regard du pur à l'intérieur. Depuis, il fait, j'ai commencé à prendre. On a besoin de vous, essayez de tout. Moi, je n'oblige personne, mais tout ce que vous faites pour les gens sur les réseaux, là, c'est Dieu qui vous bénira. Il y a une chose que vous devez comprendre. Et tu fais du bien à tout le monde, tu vas te rendre compte. Je fais du bien à tout le monde qui continue de couler. Faut pas moyen, je vais savoir. Je suis pas petit, mais voici le pied qui continue de couler. Son pied saigne à l'intérieur, là. Il est parti faire les soins la dernière fois. Et ça saigne. Ça continue de couler. Tu peux pas t'arrêter. Il faut des béquilles. Tu n'as pas de béquilles. J'ai des béquilles ici. Essaye de prendre tes béquilles, ça t'arrête. D'accord. Où il y a posé le téléphone. Voilà. Mmh. D'accord. S'il vous plaît, la famille, on fait parler le cœur. Il y a le cœur déchiré quand il ne sait pas où il y a mes mains. Voilà, et que s'il y avait là. Dieu n'a qu'à me bénir. Dieu même sait que le juif va me bénir là, c'est pas bon. Parce que franchement. Il y a quoi? Voilà. Mais dans son petit chocoteau jaune. Ah, c'est ça, voilà.
Voici un peu la famille. Voici un peu. Oui, le pied est enflé. Il s'est enflé parce qu'il y a, il y a pu à l'intérieur. C'est ça, il vous explique là. Il y a le pu à l'intérieur. Vous pouvez partir sur TikTok. Il a ses anciennes. Tu as mis tes anciennes photos sur TikTok, non? Non, TikTok a bloqué. Donc, il a mis des vidéos. Il a mis des anciennes, ah, mais anciennes photos de moi-même quand il n'était pas reputé là. Hein? Oui, oui, il y en a qui n'étaient pas reputé là. Tu sais comment on met photo derrière? Mm-hmm. Moi, je ne peux pas faire un TikTok. Il va t'expliquer tout à l'heure. Donc, voilà un peu. Essaye de voir. Peut-être les gens sont en train de faire les dons là. D'avancer un peu. Non, essaie de voir ton téléphone. Peut-être les gens te font les dons. Je ne sais pas. Ah, d'accord, moi. Faut t'asseoir, c'est bon. D'accord. Son pied enflé. Il a quand même dit quoi, mon amour? Il t'a encore rien envoyé. Non, on m'a envoyé 3800. Non, c'est bien, ça commence. Qui a envoyé? Il faut dire le nom du message à la personne. C'est Lou-C-I. Comment? C'est comment? Lou-C-I. Lou-C-I, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes entrailles, ta famille. Merci beaucoup pour tout. Merci. Que ces 3000 là, Dieu multiplie ça. Beaucoup pour toi. Sois béni. Le numéro est là, c'est sur l'écran. Regarde où je suis là. C'est là où il y a le numéro. Merci, Lucie. Merci beaucoup. Sois béni. Voici le numéro. Pour ne pas que vous demandez, c'est ça qui est en face. Regardez où je suis là. Le numéro, les deux numéros sont là. Pour faire le don. Tape ta sim là, je ne sais pas. Hein. Tape ta sim là. Ils font ta sur orange. Oui, si tu fais là, ça va aller sur orange, c'est ça, non? Tu devais ta table scène là, ça va partir sur son orange money. Voilà. Move, marche, suite à ta scène. Ah, ça, moi, je sais pas. On a besoin du nom. Le nom, voilà. Kobena à quoi, Larissa? Viens voir. Kobena à quoi, Larissa? Voilà le nom, là, il est écrit, là. Il est écrit... Pardonnez, répétez le nom là dans les commentaires pour ne pas que les... C'est le nom là qu'elle a Kobena Akua Larissa. Mon Koya Elodie m'a envoyé 5000. Hein? Koya Elodie m'a envoyé 5000. Merci Koya Elodie, que Dieu te bénisse. Sois béni. Merci beaucoup. Tout le temps, voilà, on vous dit merci. Merci. Il y a Koulibaly Raissa qui m'a envoyé 3000. Koulibaly, Aniche, Alabaradji. Raissa, Koulibaly, Alabaradji, Aniche, Iniche. Oui, Raissa, on a reçu tes 3000. C'est ça, t'es dit en Djoula, là, mais tu ne comprends pas Djoula. Il était Djoula comment? Hein? Raissa? Il était du là comment? Un café? Comment on dit? Tu vas pas du là? Comment on dit ça? La puissance? Non. Il était du là comment? Hein? Il était du là café? Moi, combat du là. Ah, toi aussi la puissance. Tu es soyé? Je ne comprends pas moi du là. Tu es soyé? L'enterré de Teddy, comment tu vas? Mon frère centrafricain. Il était du la caméra, voilà ça. Il était du la caméra, hein, c'est ça. Choupi, bonjour. Il était du la caméra. On dit quoi, tu veux? Donc voilà un peu, on continue les dons. Frère, essaye de répondre le message en privé. Malonise dit envoyer message. Faut cliquer sur lui. Tu cliques sur lui pour aller voir son message. Tu peux aller voir pour revenir. Malonise, clique sur lui. Et puis va dans message. Mmh.
Je vais t'écrire pour te... Valonise, il est parti te répondre. Ça, le king, c'est moi. Le king, c'est qui ça? Mais quel outil t'en va où est mon sac? Qui va mon sac? Mais c'est son fou. Papa? Papa? Et titi? Oh! Allons ça, mon sac là. Tu sais ça pourquoi? Hein? Allons ça, tu sais. Hey, Kilou. Allons ça. Viens faire bisous, maman. Viens. A tu. Hey, Kilou. Oh. Allô? C'est qui? Tu es au téléphone. Et c'est qui? Allô? Il est au téléphone. Tu parles à qui? Tu parles à Yaka? Ah, tu, oui. Et? Vas-y, aïe. C'est qui? C'est qui, l'eau? Et? Oh. Allô? Vous dites allô? Allô? Moi, il y a quelqu'un qui m'envoie 3 000 encore. C'est son nom. Ouattara Anisha. Ouattara Anisha, ala baraji. Ouattara ala baraji, ala jususma, ala douaou dima. Et mon téléphone est clair. Mon téléphone. On fait pas là tout de suite. Ala baraji, ala. Ala chez dimanche si tu n'as pas encore. Ala deni dimanche si tu n'as pas encore. Initio. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste 500. De qui? Oumu. Oh, c'est mignon. Oumu, André, elle aux États-Unis. Elle aux États-Unis, t'as envoyé 500. Je pense bien, 500. Non. Elle a dû se tromper. Aux États-Unis, tu es sûr? J'ai mis États-Unis en parenthèse. Mais c'est moi. J'ai mis États-Unis en parenthèse. Oumu. Elle s'appelle comment? Oumu. Peut-être que c'est qu'elle avait sur la main. Ça va un héros. Peut-être. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Dans grand États-Unis, là. On peut gâter ce nom comme ça des Américains. Vous avez envoyé l'orange. Orange. Hein? La vie qui dit d'envoyer 15 minutes, ça c'est sur orange, elle l'a envoyé. Elle dit c'est elle qui a envoyé. Elle dit, Aya, c'est moi. Connais, c'est toi qui a envoyé. Un dollar là. Merci. Thank you very much. C'est $50. Elle dit elle voulait essayer pour voir si ça passe d'abord. Alors, sinon, les parents de Kilou qui sont aux États-Unis là. Hey, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Je dis que quoi? Kilou, tu dis que Kilou américain. Je voulais essayer. Ah! Je savais! Ah non! Parce que, États-Unis, c'est un grand pays quand même. Quand je tell me, c'est non. She go, I see you, you can essayer it aussi. Non, ça l'a m'étonné. She's very étonné, me. She's very étonné, me. T'inquiète pas, elle va tirer fort. Elle envoie ça de mon attente. Voilà, on la prend. Hey. Hello. Aya, what's up? You okay? Yeah, I'm okay. And you? Yeah, c'est moi, Anto de Los Angeles. Je voulais essayer quoi. Je viens juste. Ma grosse Anto, ça comment? Ça va, et toi? Ça va, et toi? Ça va, donc je vais faire le dépôt tout à l'heure. Voilà, c'est ça, il a dit là, parce qu'il a dit 500. Il dit, Non, je voulais essayer parce que souvent il y a des numéros là qui ne passent pas. Là. Si, ça passe maintenant. Ok.
Que Dieu te bénisse. Thank you very much. Thank you very much. Que Dieu le protège. God bless you. God. Amen. Amen. Dis-lui merci. Tu vas voir ça. Tu vas voir si tu as réussi. Je viens de voir le live. Faut lui dire merci, s'il te plaît. C'est tata Anton. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Une grande dame. Une grande. Que Dieu te protège aussi, non. Merci, tata. Thank you very much. Merci, ma grande soeur. Que Dieu te bénisse. Je vais faire rentrer le nom. Okay. Hein? Tu veux quoi, le nom? Le nom, c'est. C'est le nom qui est en bas là, Ndri. Ndé Assi Afiz. Comment? J'ai envoyé un commentaire. Ndé Assi Afiz. C'est le nom que la faute est sur moi là. Mais c'est pas sur ça, moi j'ai envoyé. Attends, le premier que j'ai envoyé là, c'était sur. Combinant quelque chose, I don't know. Ah oui, combinant, c'est ma femme là. Mm-hmm. Ah ok, donc ça c'est Ndine. Attends. Ah, je dois enregistrer encore. J'aime assez, pourquoi tu dis qu'on n'a qu'à signaler? J'aime assez, comment pas ton message? Signaler quoi? Attends, je descends, je fais. Si tu reçois, tu me fais signe, ok? D'accord, t'attends, ton. Compte sur ton. Mm-hmm. J'aime assez. Mais elle est tout signalée, donc à signaler quoi en fait, comment va son problème? Donc à signaler le compte, le direct quoi? Hein? Par contre, mais quand elle a reçu des pots 10 000 là-bas? C'est Orange Money. Et donc à signaler quoi? J'aime Marcel. J'ai eu un accident de circulation et arrivé au chute à une erreur médicale. Donc j'étais amputé de la jambe gauche. Attends. J'aime Marcel. Tu as quel problème? Ta femme a dit quoi? Elle dit qu'elle a reçu un dépôt de 10 000. C'est quoi? C'est qui le nom? C'est le nom. Donc, c'est vrai, moi, il n'y a pas de nom là-bas. C'est le diamant qui a envoyé les 10 000. Là. Merci beaucoup, mon Dieu, de bénir. Diamant, tu as envoyé ça sur quoi? Orange Money ou bien où ça? Je vais laisser mon téléphone parler. Là. Oh, merci beaucoup, le diamant, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Toi, c'est quand il est 10 000 à ce diamant. Non, t'attends tout. Ah, grand tout, tout c'est long, mais. Hein. Moi, j'ai envoyé 100, 1500, c'est ça? Non, 15 000 sur Orange Money du Sénégal. Et c'est la visa, là. Si elle rentre, peut-être, ça va voir. Comme ça va cacher, là. Mais elle est partie où, ça, ta femme? Elle est partie vendre sa marchandise, quelque part, là, pour venir. Elle va pas. Elle vend par contre sec, les trucs comme ça, les condiments là. Elle se promène ça pour vendre un peu dans le quartier. Moi, elle est partie le matin. Merci, Fal Ange. Merci, merci beaucoup. J'aime assez, tu dis quoi? Je suis en train de répondre à. Attends, je connais, c'est Eva. Eva, parce que quand tu as dit thank you very bad, j'ai dit c'est pas very bad. C'est very much. Et elle a dit. Attends. Toi, ton anglais, moi, mon anglais, c'est même anglais. C'est ce qu'elle a mis dans le commentaire, que toi tu parles anglais de Miami. Donc je dis, ah, ok. Et c'est là. J'ai mais ma chérie, non. Tu vas pas venir. Moi, j'ai fait les hautes études et j'aime assez, tu comprends? Toi, tu parles quel anglais? Moi, j'avais même pas envie de parler anglais. Parce que pas l'anglais, là. Je sais pas si tu vas m'entendre. Parce que c'est vraiment différent. Mais voilà, donc faut pas venir parler de mon anglais. Tu as pas problème. En tout cas. Donc c'est ça. Hein? T'as dit quoi? Toi, tu as quel problème parler mon anglais? Tu as quel problème? Ton anglais, ça m'a donné mal à la tête un coup comme ça. Donc, j'ai dit, very bad. Moi, mon anglais m'a donné mal à la tête. Mais on ne peut pas dire very bad si quelqu'un a fait des pots, tu vois. Non, c'est pour ça que j'ai dit very much. Tu as envie de quitter les États-Unis? Non, même pas. Pardon. Non, il faut même plus parler de mon anglais. Sinon, il y a de ramener quelque part au Libéria là-bas. Tu vas te retrouver. Après, c'est Doubou là-bas. Et toi, tu vas appeler. J'ai des relations là-bas. Je vais appeler. Tu vas te retrouver tout de suite. Ouais. Maman, elle m'envoie 25 000. Qui ça, tata Astou? Oui, elle m'envoie 25 000. Merci beaucoup. Donc, Astou, merci. Ouattara Fatou, comment tu vas, ma grande soeur? Faut monter, pardon. Monte, je vais te demander un truc. Mmh.
Oui, oui, allô Maya. Bonjour ma soeur chérie. Est-ce que tu peux m'écrire sur WhatsApp après? J'ai besoin de toi, Jamon. Ah bon, hein? Oui, c'est urgent même. D'accord, ma soeur. Ok. Tu as mon numéro, non? Non, Aya, tu t'es abonné à moi, mais tu t'es désabonné. Non, je ne me suis pas désabonné. Hein. Oui, je regarde. Il faut regarder. Non, non, je ne suis pas désabonné. Sinon, comment tu as monté ici? C'est moi qui t'ai fait tout. Comment on appelle ça? Prends mon numéro, tu as m'écrit, s'il te plaît. D'accord, maman. Allez, bisous, maman Kilo. Tu as, faut noter mon numéro, tu vas m'écrire. D'accord. Prends, prends Big Café. Je prends là. Oui, oui, s'il te plaît. Ok, attends. C'est moi avec le critique là. Ou bien c'est pas grave, tu demandes aux filles, elles vont te donner dans les commentaires. Tu prends ça dans les commentaires. Merci beaucoup, merci. Tu reçois encore? On te voit plus à la puissance. Non, je suis là. Tu es bloqué sur l'écran là. Descends, tu remontes, tu es bloqué. Je ne te bloque pas. On va en te voyer plus. Ok. Je t'ai envoyé 10 000. C'est 10 000, mais c'est 100 000. Mais elle a éloigné le zéro là de l'autre zéro. Hein. Bah, ça, c'est combien? C'est 10 000 ou c'est 100 000 que tu as écrit là? On dit c'est 10 000. Ok. Mais 10 000, là, il faut coller les zéros là. Quand tu éloignes comme ça, on dirait 100 000. Ok. Tu as reçu les 10 000 de Baïssa? Non, parce qu'elle a fait sur Orange alors. Tu as fait sur quoi? Elle dit sur Orange. Merci Baïssa, que Dieu te bénisse. On continue de partager le live, s'il vous plaît. Voici Move là en haut là-bas. Mamoun. Il a Move en haut, il a. Ça dit, il a Move. Tap, 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 il a Move. Tu as dit quoi? Une dame t'a demandé quoi? Pourquoi il s'agit de l'histoire? Non, parce que c'est pas tout le monde qui est informé. On continue, s'il vous plaît. On va arrêter à 13h. Puis on va revenir le lundi. En tout cas, toute la semaine prochaine, on va bien récolter. À 13h, on va arrêter le live. Il doit m'apprêter. Commencer à 17h. On y va, s'il vous plaît, la famille. On essaye un peu encore. Viens, Kylian. Tu viens ici. Coucou, Gondo. J'espère que tu vas bien.
Allô, Maya, chérie. Je t'ai envoyé mon numéro en inbox. D'accord. Bah, au pire, d'accord, je vais prendre, je vais regarder, puis je te reviens. D'accord, maman. Bisous, à tout à l'heure. Merci. D'accord, bisous. Tu as dit quoi? Quelqu'un qui dit qu'il vient me parler urgentement. Là, il l'appelle, il coupe, il l'appelle pour voir. Il veut te parler où ça? Il dit, ma personne va me parler urgentement. Il est dans les commentaires? Mm-hmm. Oui, mais il n'a qu'à t'appeler alors. D'accord. Il n'a qu'à t'appeler. La famille, on continue un peu encore, s'il vous plaît. Moi, j'étais mal. Je pensais que le mal allait cesser, mais ça continue. Il y a toujours mal au dos. Tu viens de faire un Western Union, combien? Dis que tu as fait combien? Tu as fait combien Western Union là? T'as fait combien? Non mais tu peux pas mettre ça ici, faut lui envoyer sur WhatsApp. Il a son WhatsApp là, son numéro là c'est WhatsApp. Donc faut... Bien attends, tu vois, je vais te faire monter. Ah oh, Jésus. Allô, bonjour Aya. Bonjour Dico, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va. Oui. Je lui ai fait un dépôt de Western Union de 20 euros. D'accord. Équivaut à 13 120. Ok, merci en tout cas. Mais il faut lui envoyer sur WhatsApp. D'accord. Enregistre son numéro là, tu lui envoies sur WhatsApp. D'accord, ok. Merci beaucoup et bisous à Kilou. Ok. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé 13 000 francs sur ton WhatsApp. Mon grand frère, ça n'a rien qui arrive. En gando, chérie. Allô? On peut être frais comme ça. Tu es frais, matin, là. On dit quoi? Tu es frais, là, c'est quoi ça? Tu as mis la dernière collection de Lacoste, là. Aïe, ah, ouais, mon gars. Ouais. Chaque crocodile a son rôle à jouer dans cette ville. Aïe, ah, ouais. On peut être parrain comme ça. Dommage, il est marié. C'est un homme très, très marié. On dit quoi? Ça va, grand frère, tu vas bien? Jeune, ça va? Je viens de te réveiller. Non, je suis là. J'étais en train de boire mon café. Ah ouais, parce que je t'ai écrit depuis, non? J'ai allumé mon téléphone à... Je pense à 7 heures. Depuis là, j'essaye de répondre à tous mes WhatsApp en même temps. Parce que hier, je n'ai pas pu. D'accord. À une seconde, je vais monter dans ma voiture à cause du bruit. Ok. Le père, j'arrive. Hein. Non, je t'avais écrit ce matin là, hein, parce qu'en fait le jeune frère là, la semaine passée, j'étais avec lui ici, il m'avait exposé son problème, donc moi je lui ai dit de partir voir. Tu es là, tu nous entends? Il est bloqué. Kilou, viens. Viens Kilou. Grand frère, on t'entend plus, hein, tu bouges même plus. Allô? Tu as reçu un appel, on t'entendait plus là. Ouais, là ça va. On dit quoi? Ça va. Donc, je disais que le jeune frère, la semaine passée, il m'avait exposé son problème.
Donc, on avait même fait une petite cotisation, je crois 150 000, pour qu'ils partent faire l'analyse et puis nous envoyer combien ça fait la prothèse. Donc, il est parti, il a pu faire, il m'a envoyé tout sur WhatsApp, sauf que moi, je n'avais pas vu, parce que je n'avais pas son numéro. C'est moi qui lui ai donné mon numéro. Donc, tout à l'heure, j'étais en live et puis il m'a fait le compte rendu. Et pendant qu'on était en train de parler, il y a une dame qui est montée, apparemment, il était avec toi hier. Donc, elle disait que tu allais prendre en charge certaines choses avec... Non, je n'ai pas dit que je prendrais en charge. Je lui ai demandé hier. Alors, il est monté hier, il nous a expliqué sa mésaventure. Donc, il a parlé, je l'ai laissé parler de sa mésaventure. Il a expliqué les choses par A plus B, comment les choses se sont déroulées. Et que le CHU a fait ci, le CHU a fait ça. Avec qu'il a eu le DG et tout ça. Donc, à l'instant T, j'ai appelé le DG, j'ai discuté avec le DG du CHU pendant pratiquement 15 minutes. Et je l'ai dit hier, c'est en train de devenir autre chose. Et je lui ai dit hier, il faut qu'il arrête de monter sur les directs parce qu'il risque lui-même de se faire enfermer. Je lui ai dit hier. Il appelle le DG le répond. Ce qui s'est passé réellement, selon son explication, il y a un préjudice qui est causé par une erreur médicale. Selon ce que le DG a dit, lorsque l'affaire était sortie sur les réseaux sociaux, le DG a été, appelé par le procureur. Donc le DG aussi a amené son enquête. Donc les éléments du dossier, les éléments du dossier qui sont là, justifie le cas qu'il a eu parce que il est diabétique, il avait un nez qui est bouché, etc., etc., etc. Donc, on arrive à un stade où on a une issue qui est bouchée. C'est sa parole contre la parole d'un médecin. Sauf que les éléments qui sont dans ce dossier, lui, ça peut le porter préjudice. Donc, le DG m'a dit, il a le droit de porter une plainte. Mais le DG l'a reçu chez lui au bureau. Et ce qu'il m'avait dit, lui, en direct, c'est ce que le DG m'a dit. Et il m'a dit, Hassan, comme il est venu m'expliquer son problème, j'ai mal au pied, et mon pied a été coupé, j'ai des enfants, j'ai des soucis. En tant qu'être humain, je lui ai dit, comme on a des partenaires qui font des prothèses et des bonnes prothèses, nous, moi, je prends l'engagement de pouvoir voir quel est le partenaire qui va pouvoir prendre les mesures de ta prothèse. Et on va le faire. Et ils étaient en contact, parce que quand il appelle le DG, ils sont en contact avec lui, et puis normalement, il devait l'appeler aujourd'hui, parce que lundi, l'orthopédiste, il a trouvé son partenaire à Yopougon, et l'orthopédiste sera là, qui va faire... Tu m'entends, mon grand frère? Oui. Ok. Sadi, merci beaucoup pour tes... Sadi a dit à l'envoyer 10 000. D'accord. Et puis Sandra a dit à l'envoyer 50 euros. Sandra, c'était 50 euros, tu as envoyé sur quoi? 50 euros, là, tu as envoyé ça où? Ok, grand frère, vas-y, je t'écoute. Et lundi, ils allaient l'appeler peut-être aujourd'hui ou demain pour que lundi, ils viennent. On prend la mesure de sa prothèse qui va coûter 1,8 million et 2 millions. Ça, c'est le DG. Personnellement, en tant qu'humain, il va le faire. Sauf que lui, il commence à appeler le DG à chaque peu de période. Non, parce qu'il était monté dans le bus au village et puis il était tombé. Il a appelé le DG, non, lui, s'il doit venir, il faut que le DG lui envoie une voiture parce que lui, il doit louer une voiture pour venir, lui, pas monter dans le bus. Un peu, il a des problèmes, il a des loyers impayés, il faut 300 000, il faut ci, il faut ça. Et donc, ça a commencé à créer des problèmes. Et le DG m'a dit ouvertement hier. Regarde ton wave, tu as ici 32 500. Donc, hier, on a parlé, lui et moi, longuement, et puis je lui ai dit, les directs, il faut arrêter. S'il veut monter pour parler de son problème, afin que les gens l'aident par rapport au développement d'un de ses business. Moi, j'ai promis hier que lorsqu'on finit cette affaire de prothèse, comme moi-même j'appelle le DG, c'est-à-dire que ça va s'accélérer. Moi-même, j'allais faire un appel au don pour que lui puisse ouvrir un business, parce que il avait dit qu'il voulait faire un business de téléphonie, il fallait 2,5 millions. Il peut sortir, je le lui ai dit hier, il peut sortir s'il veut. Dit qu'il est en difficulté, les gens peuvent lui envoyer l'argent pour l'aider, oui.
Mais s'il continue à sortir pour dire que non, il y a erreur médicale, il y a erreur médicale, les gars du CHU vont porter plainte contre lui ou bien lui-même va aller porter plainte parce qu'il y a deux solutions. Et je l'ai expliqué pendant 5 minutes. Ou il porte sa plainte et il laisse la justice faire son travail. Ou il attend que le lundi ils vont l'appeler pour que le DG il puisse lui offrir sa prothèse qui va faire 1,8 million ou 2 millions. Il dit qu'il est allé à Benoît pour voir les prothèses. Je dis qu'à Benoît, il n'y a pas de bonne prothèse. Ça va, c'est juste pour un maquillage, ça va pas lui permettre de se déplacer convenablement. Mais, et j'ai pas eu peur de lui dire hier, ça commence à friser la Malonie, ce qu'il est en train de faire. Et ça va lui porter préjudice parce que nos lives sont suivis par les autorités et nos lives sont suivis par beaucoup de personnes et tu le sais très bien, Aya. Et encore, si une autorité va voir, hier ils m'ont appelé 2 ou 3 fois le soir. Si encore une autorité va voir, il va vouloir rentrer pour appeler encore le procureur, pour appeler le DG. Je pense que cette fois-là, peu importe ce qui va se passer, parce que lui, il dit que c'est le plâtre qui a compressé son pied au point où son pied a commencé à pourrir. Sauf qu'ils lui ont fait une angioscopie qui a montré que lui-même, à la base, le nerf qui est derrière son genou, qui est vital, était complètement bouché parce que il avait fait plusieurs jours avant d'arriver au CHU parce qu'il n'a pas été, il n'a pas commencé à être soigné au CHU. Dans 500 mètres, prendre la bretelle vers boulevard de la République. Et quand il a expliqué qu'ils ont mis sur son pied un saut de 5 kilos, ça, là, dans le domaine médical, on appelle l'attraction. Comme lui, dans son cas, on ne peut pas... C'est dangereux de pouvoir l'opérer parce qu'il est diabétique. Donc, ils ont fait cette traction pour pouvoir aligner les os et donner le temps aux os de pouvoir s'aligner. Ce qui a créé prendre la bretelle vers boulevard de la République, lui, puis rester à droite à l'embranchement. Il a eu un truc, le syndrome, je ne sais pas de quoi. Rester à droite à l'embranchement. C'est le fait que lui-même, derrière son genou, il a le nez qui est complètement bouché. Donc, je lui ai dit hier, peu importe. Ça veut dire que là, tu vois, c'est ta parole contre la parole des médecins. Ça, c'est un fait. Les éléments qui sont dans les dossiers, ça, c'est un autre fait. Le médecin peut dire, tu peux dire, t'as mal parlé, vous êtes mal parlé, c'est pas ça qui tue quelqu'un. Mais dans ton dossier médical, les faits sont là, les examens sont là. Personne ne peut trafiquer les examens d'une machine, de l'angio et de tout ça. Donc, il faut te calmer. Tu vas laisser, ils vont venir faire ta prothèse. Ils vont prendre la mesure lundi. Il va passer et ils vont t'offrir ta prothèse qui pourra te permettre d'être mobile. Parce que ceux de Benoît là, c'est pas en ciment. On met ça là, il n'y a même pas d'articulation dedans. Ça, c'est pas plus tard qu'hier, on a parlé lui et moi et puis mes followers ont parlé avec lui. Mais je me rends compte que tout de suite encore, il est là. J'espère que vous voulez l'aider par rapport à son business qu'il veut faire à cause de ses enfants. Dans 300 mètres, si prendre la sortie encore, en direction de l'avenue Terrasson de Fougères. Il est encore monté encore pour parler de cette affaire de erreur médicale du CHU et problème avec les médecins. Et je pense que cette fois-là, moi je lui dis cette fois-là, si encore ils ont appelé de là-bas, frère. Prendre la sortie en direction de l'avenue Terrasson de Fougères. Si tu sens que tu as été lésé dans quelque chose, moi-même je te dis, va porter ta plainte et puis laisse la procédure suivre son cours. Dans après, 500 mètres, prendre à gauche sur avenue Marchand. Parce que le dé... Bonjour, je peux? Ma caméra a fait quoi? Continue. Chez moi, tu as un souci parce que tu as des enfants, tu as des difficultés, mais en aucun cas, ça veut dire que le CHU est responsable d'une erreur médicale. Ça ne veut pas dire que je vais t'aider pour justifier un souci majeur, non. Ma caméra fait quoi, merveille. C'est en tant qu'humain, je vais t'aider. Et non pas pour justifier une erreur médicale, il n'y a eu aucun... Et puis c'est comme ça qu'ils se sont laissés au bureau. Tu comprends? Voilà un peu la situation qui est là, Yann. Ok.
Bon, moi, dans 300 mètres, restez sur la file de droite pour continuer sur le boulevard du Général de Gaulle. Il m'a expliqué le problème. Je lui ai dit de partir, faire l'échographie, enfin, d'aller voir le prix de la prothèse et de nous dire. Donc, c'est ça qu'il est venu dire aujourd'hui. Restez sur la file de droite pour continuer sur le boulevard du Général de Gaulle, puis continuer sur le boulevard du Général de Gaulle. Voilà, c'est un peu... Bonjour, je peux intervenir, s'il te plaît. Bonjour. Ta caméra, elle n'est pas trop... On peut voir à l'extérieur, vous faites. On peut te voir... Ça regarde derrière, t'inquiète. Bonjour les amis, comment ça allez? Bonjour, je peux intervenir, s'il vous plaît. Ok, allez-y. J'ai dit bonjour les amis. Bonjour à tout le monde. Ma chérie, bonjour, attends d'abord. Bonjour, bonjour la puissance, bonjour Aya. Moi, je suis là pour dire bonjour à tout le monde. Ma chérie, bonjour, on t'a répondu, non? On m'a mute après ça. C'est quoi le but, en fait, de ta montée? Je suis montée parce que je me sentais tout seul dans mon côté. Mon gars, ouvre ton micro. Okay. Ouvre ton micro. J'ai ouvert mon micro. Ma chérie, pardon, attends, on te répond après. Quand... Oui, frère, bonjour. Identifiez la influenceuse, s'il vous plaît, va aller là-bas. Comment elle s'ennuie là? Oui. Voilà. Je peux? Oui, allez-y. Vas-y. Voilà. Bonjour, c'est Jacob. Bon, c'est le cas de la puissance. Je suis en train de la suivre. Ça fait maintenant presque. Nous allons dans un mois avec quelqu'un. Mm-hmm. C'est pour qu'il vienne sur les réseaux, ça a été un accord avec moi. Dès que je l'ai vu, je l'ai fait venir sur un réseau auquel nous avons constaté le DG. Et nous sommes là-dessus. Une erreur médicale, oui. Moi-même, j'ai condamné. Prendre à droite sur Avenue La Plaine. J'ai été le premier qui a appelé le médecin en question, M. Koulibaly, le médecin en question qui a suivi son traitement. Frère, il ne faut pas citer le nom du médecin, s'il te plaît, parce que tu le mets en porte-à-faux aux jeunes. Non, je sais ce que je dis. Je suis en train de suivre ce dossier. Je suis en train de suivre ce dossier-là depuis hier, depuis des mois. Donc, quand on a eu, je ne vais pas citer le nom comme tu le dis, quand on a eu ces contacts-là, on est rentré en contact avec le DG. Nous-mêmes, la première fois, on a fait d'abord un panel pour que la puissance se déplace du village, pour qu'il vienne à Abidjan et à faire accompagner par un connaissance et un gendarme pour aller porter plainte. Parce que c'était la première chose que nous voulons faire. Moi, j'ai recueilli cette situation quand la puissance était dans les difficultés. Dans 300 mètres, tournez légèrement à gauche vers Avenue Fédère. Et je l'ai dit carrément non, nous allons suivre cette question et aller t'aider jusqu'à ce que là, on va trouver une solution. Avec ça, nous sommes rentrés en contact avec le DG du CHU par rapport à la plainte que nous voulons poser. La question que le procureur l'a appelée, ça a été à partir de la plainte que nous avons posée. Mais le DG, lui-même personnellement, il a pris la question sur son côté humain. De dire que lui-même, de sa propre poche, va offrir un prothèse à... Tourner légèrement à gauche vers Avenue Fédère, puis prendre légèrement à droite sur Avenue Fédère. Et c'est sur ça nous sommes en train, actuellement, de se battre pour que ça puisse y avoir. Le temps en train de passer, la semaine passée, pas la semaine passée... Prendre légèrement à droite sur Avenue Fédère, puis prendre à droite sur Boulevard Clozel. Et avec la puissance... Et avec le service de communication du DG en question, bonjour, Calesson, tu qui avait parlé, vous m'entendez, non? Qui avait oui, même décidé. Prendre à droite sur Boulevard Clozel. Mon gars, faut attendre, couper ton GPS là. Oui. Qui avait même décidé d'ici deux semaines, trouver cette question pour pouvoir aider le jeune à avoir une prothèse. Parce que nous avons dit quoi? Nous ne sommes pas là pour demander de la charité à qui que ce soit. Le jeune, c'est un jeune travailleur. On a besoin qu'on lui donne une prothèse pour qu'il puisse se déplacer. Et la situation auquel
de la famille dans laquelle il est aujourd'hui dans la difficulté et lui trouver une solution auquel on peut faire. Le DG nous a dit, ce que je peux vous promettre, et je suis sûr à le faire, c'est lui proposer une prothèse. Après ça, on va voir comment on peut faire le suivi. Parce que c'est pas le fait de lui seulement trouver une prothèse. Le suivi du prothèse, parce qu'il y a la réhabilitation, il y a le temps à faire et tout. Et pendant ce temps, moi, je l'ai posé la question personnellement et au service de communication, j'ai dit, et pendant ce temps que nous attendons à ce qu'il gagne une prothèse, pendant ce temps qu'il fait une réhabilitation, comment il peut au moins payer ses loyers et s'occuper un peu de sa petite famille? Parce que nous sommes en train de parler d'un an, il sera assis. Parce que le temps d'avoir choisi, il y a tout ça qui est là. Et comment il peut trouver une activité? Le CHU même en question, en train de voir après ça comment il sera suivi. Parce que ce n'est pas le CHU de Cocody qui va faire sa suivi. C'est une autre organisation, c'est-à-dire ceux qui ont fait le prothèse sont ceux qui doivent faire la suivi du prothèse et la réhabilitation et tout. Ça, c'est autre dépense et ça, c'est autre question. C'est sur ça nous sommes. On n'a qu'à chercher, je l'ai dit, c'est moi tout de suite j'ai appelé la puissance parce que je voulais lui parler de ça. Ce n'est pas bien là où nous sommes toujours sur les réseaux pour faire de la propagande. Moi, j'appelle ça comme ça. D'une situation et toi, je te dis que c'est pas quelque chose qui peut t'aider. Mais tu penses que ça peut t'aider, tu as le plein droit auquel le directeur du CHU a dit, auquel le procureur m'a dit, tu as le plein droit de faire la question juridique. Mais est-ce qu'on a ce temps par rapport à toi, ta situation actuelle? Je peux dire, tu es un jeune, tu as besoin, aujourd'hui tu es assis, tu ne travailles pas, tu as besoin, vraiment, les frères, j'ai des difficultés, comme les bonnes dames, les jeunes qui sont en train de t'envoyer quelque chose et qu'on sort, on peut leur demander pour qu'on puisse s'aider, pour que tu puisses payer ton loyer et choses. Mais moi-même, j'avais demandé, tu étais sur le panel quand j'ai dit ça au responsable de la communication du CHU, j'ai dit, même vous les médecins, vous travaillez, vous avez un salaire. Est-ce que, avec chose, mettez votre main sur votre cœur, au moins payez les 3 mois, les 4 mois du loyer de ce jeune-là, le temps qu'il va avoir une prothèse, et même lui aider à envoyer chose. C'est pas parce qu'il a besoin de ça pour demander une part de chose. Mais au moins, lui offrir des sacs de riz, des choses, des vivres, pour qu'il puisse s'occuper de sa famille, pour le moment, jusqu'à ce que le cas de prothèse sera fini. Et après ça, les services sociaux, on va essayer de voir comment il faut lui trouver une solution pour qu'il puisse faire son activité qu'il le faisait avant. Ou bien faire une activité auquel on peut le promettre. Mais la situation que nous sommes en train de faire, nous, on peut le faire. Moi, je peux rester. Hein, je peux le faire. Je peux monter sur le panneau. Monsieur Pépé, excusez-moi une minute. Hein. La puissance, tu reçois toujours les dons ou pas? Moi, ils ont envoyé dons. Je suis pas de ma femme en bas. Elle m'a envoyé les capsules d'écran. Mais comme en direct, là, il n'est pas revu. Oui, mais il faut aller vérifier. Tu reviens. Parce que je t'ai dit, on va couper à 13h. Oui. Non, les gens, ceux qui font le don, ils peuvent toujours donner le don. Le jeune, actuellement, il en a besoin. Voilà. Ceux qui sont en train de faire le don, ils peuvent toujours continuer à le faire. Il en a vraiment besoin. Parce que, sans tenir compte, ça fait des mois qu'il a passé à l'hôpital. Après janvier, il a eu cette imputation. Et jusqu'à présent, il est en difficulté. Dernièrement, même quand il m'avait contacté, il avait dit qu'on devait lui mettre hors du loyer. Eux-mêmes, nous sommes en train de aussi, sur un panel que moi je fais pas de panel, mais sur le panel que nous avons lancé, ça c'est le panel de Côte d'Ivoire, on avait lancé ça, depuis le samedi, on a lancé, parce qu'il y avait 2 cas qui se sont ajoutés, une dame aussi qui souffrait de, comment on appelle ça, insuffisance rénale, et une autre dame aussi qui est en train de souffrir d'une douleur chronique, auquel nous avons contacté des médecins qui sont en train de nous aider et nous avons mis ensemble et la question de la puissance et la question de ces deux dames en train de faire des raccords. Maman, elle a reçu 20 euros. Et celle qui a envoyé 50 euros là. D'abord, on fait quelque chose comme ça. C'est 20 euros là, mon voyage. Il y a une qui dit elle a envoyé 50 euros, l'autre dit elle a reçu 50 euros. Il y a les vérifier. Hein? Oui, c'est mauvais, elle a dit. Voilà, donc c'était juste un peu ça. Et on peut l'aider.
la prothèse, il va l'obtenir. Nous sommes en train de mettre pression. Hier, ce que lui ne sait pas, hier même, on a envoyé un des responsables là-bas qui est parti en discuter avec Chose. C'est un personnage juridique avec le DG et son service de communication pour pouvoir mettre une pression. Au moment qu'il était sur le panel de le frère Ayat hier, quand il parlait, en ce moment, cette personne était avec le DG et son service de communication pour pouvoir dire que, parce que nous sommes en train de dire que non, d'accélérer la situation. On peut mettre pression sur eux, d'une part, mais question de dire, non, c'est une erreur médicale, si on va dans la question juridique, Aya, vous-même, vous savez, la question juridique, comment ça fait, on va porter plainte. Le temps que le procureur va prendre, le temps qu'on va partir à la justice, le temps qu'on va faire. Entre-temps, ce jeune-là est assis. Est-ce que tu vois? Entre-temps, ce jeune-là est assis. Moi, personnellement, il a le droit. C'est lui qui a le mal. Moi, je ne fais que l'aider. Je l'ai pris la situation à mon cœur. Je le prends comme un fils. J'ai même, le jour que j'ai su cette situation, j'ai mis sur beaucoup de les réseaux. J'ai même arrivé à pleurer. Je l'ai contacté lui-même personnellement pour pouvoir voir. Et je suis en train de mettre pression sur tous mes côtés. Chez moi, je ne fais pas de panel. Avec mes contacts, j'appelle. Quand lui, il m'appelle, quand il m'envoie un message, je prends le téléphone, j'appelle les gens que je peux appeler pour pouvoir mettre cette pression pour que ça puisse aller en avant. Maintenant, si ce développement, c'est parce que tu t'arranges la puissance, c'est ce que quand je t'appelle, tout ce qu'il voulait te dire, tu peux aller, tu as le droit, hein, tu peux aller à chose, tu peux prendre un avocat, tu peux aller prendre chose et porter plainte. Mais ça va prendre, tu as le droit. Et sur ce gain, si la plainte que tu vas porter, tu seras dédommagé et tu seras dédommagé plus, ça va faire chose. Mais attention, ça va prendre combien de temps? Et porter plainte, je t'ai dit ça la dernière fois. Porter plainte contre le CHU, c'est comme si tu portes plainte contre l'État. Est-ce qu'on est aussi puissants, nous tous, pour affronter cette situation, pour aller en avant, pour que au moins sur l'État, on peut gagner un procès contre l'État? Si nous avons eu une solution, quelqu'un qui soit en train de nous aider, on n'a qu'à essayer de se calmer, trouver que mettre pression sur la personne qui est là, qui est en train de faire cache, parce que même quand on monte sur le panel, on est en train, Aya avait lancé, et je pour des fois aller faire une visite, on va voir comment le protège, c'est toujours t'offrir ça d'abord. Parce que la question est que tu marches. La question est ça d'abord. Et le reste, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on chose. Mais on n'a qu'à essayer de se calmer. Et nous sommes en train d'aider. Côte d'Ivoire appelle chaque jour. Moi, j'appelle chaque jour. C'est pas parce que tu m'as appelé et tu m'as pas eu au téléphone, ou bien tu as appelé Côte d'Ivoire, tu l'as pas eu au téléphone, que tu penses qu'on t'a abandonné. Moi, je t'ai dit, et ça, je l'ai promis avec de plein cœur. Je dis, tu n'es pas seul. Cette situation qui est arrivée, on va t'aider et ça va s'arrêter sur toi parce qu'on va dénoncer la situation qui est passée. Mais là, on n'a qu'à faire beaucoup attention. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Ah, je voulais vous dire que je suis venu sur le panel de Noaya pour porter plainte. Tu vas parler un peu. D'accord, vous voulez parler? D'accord. Vas-y, parle. D'accord. Je suis venu sur le panel de Noaya il y a de cela une semaine environ de cela. Voilà. Parce que les une semaine environ de cela, je n'avais plus de contact, personne ne me contactait. Quand j'appelais le directeur du chemin, il ne répondait plus, il n'écrivait plus. Quand ça m'étonne que quand Paya vient sur le live et dit non, que ça, j'ai fait plusieurs jours avant de venir au CHU. Je suis étonné. Moi, je suis allé au CHU dans l'immédiat. Quand j'ai fait l'accident, je suis allé à Foubani. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas, ils m'ont transféré au CHU automatiquement. Ils savent au CHU à 2h du matin. C'est le lendemain. Bon, deux jours plus tard, il veut dire que j'ai été reçu au CHU. Et puis, quand il vient au CHU, on voit que c'est nasse. Moi, je savais au CHU, j'ai demandé à un diabétologue. Ils ne m'ont pas donné de diabétologue. Souvent, il y a des choses qu'on dit qui font mal. Moi, je suis le souffrir. Moi, je peux laisser tout ça les plus confier à Dieu. Il n'y a que Dieu ce qui s'en juge. Moi, ma souffrance là, personne n'est panier. Parce que toute fois qu'on vit là, moi, c'est pas qu'un jour là, je serai amputé. C'est pas qu'un jour, moi, je serai amputé. Il y a Dieu ce qui en haut qui connaît la vérité. De tout ce que je me dis là, il y a Dieu ce qui en haut. La vérité. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne suis rien. Je n'ai rien, je n'ai pas de soutien, je n'ai rien. Excusez-moi, mes larmes sont de couler. Non, il faut te calmer. Moi, je n'ai pas de soutien, moi, je n'ai personne. Moi, je n'ai que Dieu. Quand vous montez sur les panels pour venir justifier ce que le directeur de Chiotin fait là, quand vous venez le couvrir, quand vous parlez de procureur, moi, je parle en prison, mais dans tous les cas, regardez ma vie, moi, je m'en fous. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont leur relation, moi, je n'ai rien, moi, je n'ai personne. Mais quand vous venez sur les panels ici, quand vous m'aider, vous venez dire des bêtises, ça m'énerve. Est-ce que vous savez combien de fois moi ils sont de... Vous savez combien de fois moi ils sont de... J'ai fait des nuits blanches. Est-ce que vous savez combien de fois moi ils ne dorment pas la nuit? Pendant que vous avez deux pieds, moi, vous avez vacances aux occupations. Moi je vous appelle, vous ne décrochez pas.
Quand je décris, vous ne répondez pas. Moi, il fallait être expulsé de ma maison comme un chien. Nous, on a été même l'intervention de ma femme qui s'est mise à genoux devant le monsieur. Moi, j'étais au dehors. Oui, oui, oui. J'étais au dehors, mes enfants. Vous ne savez pas ce que je traverse. Et je viens sur les réseaux sociaux pour parler de ma situation. Vous dites non, que ce n'est pas une erreur médicale. Mais ce n'est pas une erreur médicale, c'est quoi? On passe à un mec, tu me déçois, hein, sérieusement. Tu me déçois. Parce que quand tu parles, on s'en fait très mal. Allez, porter plein comme moi, enfermez-moi. Mon pied, la tête est encore chiée, c'est pas coupé. Non, mon pied, quand tu es chiée, c'est pas coupé. Avant, je suis là, si elle est ce mec, pourquoi ne pas faire des scanners pour voir de quoi je souffre avant de me toucher? Et avant de toucher un malade, là, on fait un bilan de santé, on fait des scanners, on fait tout ça pour voir de quoi je souffre avant de toucher. Pourquoi on ne peut pas demander ça? Et puis, c'est après que le gars m'a pu demander ça. Avant de parler de ce panel-là, prenez la peine d'abord de tuer le dossier. Le directeur, je suis là, c'est vrai, il a ses relations. C'est vrai, là, il a ses connaissances. Il a tout ça là, c'est vrai. Mais moi, je suis en train de souffrir. Moi, je suis en train de couper de la souffrance, de la douleur. Vous venez, non, vous voulez m'aider. Hier, toi, pas ça, tu as dit quoi? Tu as dit que si c'est pour venir au magasin de portable, là, toi, tu peux pas faire ça. Que de m'associer à ma femme, en faire un petit commerce de choses, de petits restaurants, là, tu as fait côté de choses. Il faut le pas pour soutien. Mais moi, c'est ce qu'il veut faire pour mon sortir qu'il a dit. Par exemple, moi, je suis dans une ville où ça peut marcher ce qu'il a dit. Mais tu as dit, tu peux pas faire ça. Afin de venir à Abidjan, là, j'ai dit au directeur, je suis que quand il a fait l'accident, je n'ai pas reçu de rééducation ni rien. J'ai pris ma béquille, mes deux béquilles, moi-même, j'ai commencé à apprendre à marcher. Et mon pied ne faisait s'enfler. Je suis tombé du cas, j'ai eu une blessure à l'intérieur. J'ai interpellé, il m'a dit non, va dans tes centres, j'ai appelé de l'autre côté, va ici, c'est resté comme ça. Donc, s'ils veulent revenir à Abidjan, il faut que j'aie une voiture personnelle. Mais nous trouver une ambulance qui va m'accompagner pour que ça puisse arriver, de peur que je puisse encore tomber sur le pied pour le blesser, puisque l'amputation n'est pas loin et je suis diabétique. C'est ce que j'ai dit. Mais quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous venez transformer ça, moi, je vois la portée. Moi, je souffre. Si vous ne pouvez m'aider, c'est pas un problème, je comprends. Mais venez dramatiser ce que j'ai dit là, ça m'en fait plus mal. Moi, je ne suis pas en train de dénigrer le directeur. Je suis. Je vais porter plein de choses à l'entendre. Moi, là, je ne suis pas dans ton Dieu. Je n'ai personne, moi, il y a Dieu. S'il a porté plein de choses, le directeur, je suis là. Ce n'est pas aller en justice. C'est m'asseoir, pleurer devant la Bible, parler à Dieu. C'est tout. Et puis, m'arrête là. Si vous êtes un peu de moi, est-ce que vous allez venir ici pour demander pardon à Maya de me tuer? Si ce n'est pas Maya, je le dis et je le redis. Si ce n'est pas Maya, là, il y a longtemps, moi, j'étais mort. Parce que moi, mon pied, dedans, il y avait du pu. Et je le montre ici. Voici plus les îles. Le pu continue de couler. Voici le pu ici. Voici plus les îles. C'est hier, mais le plus après la sortie. Non, à un moment donné, là, soyez humain. Ne sont pas là toujours à protéger l'image. Quand il y a un problème, à dénoncer le problème. Depuis qu'il a fait l'accident, là, du coup, aujourd'hui, là, vous savez combien il a dépensé? Moi, je peux vous montrer tous mes médicaments, mais tous mes scans, tout ce qu'il a fait là, ça me prend frais. Le deux chinois dit qu'il va m'aider parce qu'il est humain. D'accord. Mais est-ce que cela suffit? Mais depuis qu'il a dit là, est-ce que j'ai vu? Quand Hassan me dit que j'appelle le deux chinois, j'appelle le deux chinois. Mais vous voulez qu'il appelle qui? Vous pouvez souffrir? Je l'appelle en tant que père pour dire, ah papa, je suis en souffrir, je veux être expulsé de la maison, il faut m'encourager, il faut m'aider. C'est pas mauvais, parce qu'il a pris l'initiative de m'aider. Donc si quelqu'un dit à m'aider que je suis souffrant, je suis dans une difficulté là, je peux l'écrire. Ah papa, vraiment, vous êtes pour m'aider, mais voici la situation qui prime. Vraiment, aidez-moi à appeler le loyer. C'est pas mauvais. Est-ce que je suis allé lui serrer la corde, mais est-ce que j'ai insulté? Mais je l'ai écrit, il m'a pas répondu, il m'a pas appelé, il n'a rien fait. J'ai laissé comme ça. Mais quand vous m'aidez, donc va porter plainte. Et quand tu vas porter plainte, ça te retourne contre toi, en t'enfermé. Moi, là, si je porter plainte, j'ai porté plainte. Quand on ferme, la côte va voir où même? La côte va voir où? Pourquoi attendre la justice comme ça? La côte va voir où? Est-ce que monsieur Bette, monsieur un médecin? Si elle voulait vraiment attester la vérité, pourquoi ne pas demander un scanner avant de me toucher? Pourquoi ne pas demander les amis avant de me toucher? Donc demander une radio. Après la radio là, ils sont passés à l'acte. Donc gâtez mon pied, je parle, tu veux de me dire non, c'est pas une erreur médicale, arrête de mentir. Je m'en parle à quoi? Je suis un enfant. Je souffre à l'intérieur, je souffre, la nuit ne dort pas, matin ne dort pas. Chaque jour que je fais ça, tes pensées. Mon mari a peut-être témoigné, tu vois qu'elle est connectée là. Même si tu fais ta, je suis connecté. Je pars tout mon temps sur les réseaux sociaux parce que je n'arrive pas à dormir. Je souffre à l'intérieur. Mais quand on veut me justifier que non, ce n'est pas une erreur médicale, c'est pas sur cela, tu attends que je le suis sans preuve. Donc, moi, ce qu'elle a vécu là, moi, je suis bête. Mais il était inconscient. Bonjour. Non, la puissance, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Même ce que Hassan vient de dire, il faut te calmer. Et écoute bien les gens. Hassan, c'est pas une personne quiconque. C'est pas ce que tu comprends. Il a aidé beaucoup de gens. Et il aide aussi beaucoup de personnes. Tu es dans les difficultés. Il ne faut pas penser que cette souffrance que tu as là, c'est toi seul. Papa. Il y a des gens qui souffrent derrière chose. Est-ce que, écoute, je comprends. J'ai vu, je suis en train de comprendre. Voici mon pied qui coule. Voilà. Ok. Maintenant. Excusez-moi. Si je peux avoir une motion là, non pas, je suis au travail. Oui. Ouais, en fait, moi, je trouve ça un peu bizarre que vous dites que le monsieur ne pose pas plainte, que c'est une affaire d'État.
Moi, je trouve ça un peu bizarre. On ne l'a pas dit de ne pas porter plainte. Écoute-moi bien. Non, non. Écoute-moi bien. Mais quand il y a fini, vous allez. Je vais rectifier ce cas-là d'abord. Grand-père Jacob, quand même. Laisse-moi dire. Écoute, là, moi, puis je vais descendre. Je vais dire quelque chose tout de suite là, et puis tu vas essayer de comprendre d'abord. Avant. Là, quand moi j'ai pris la puissance, la première des choses que je l'ai dit, j'ai dit, on ne fait rien d'abord si tu ne portes pas plainte. C'est pas ce qu'on a dit. J'ai dit, viens à Abidjan, tu vas porter plainte. C'est ce qu'on dit. On n'a pas dit qu'il ne peut pas porter plainte. Il va porter plainte. Il a déjà même porté plainte, même s'il a déjà déposé une plainte à la gendarmerie, je pense. Donc, ok. Ce jour, moi, je l'ai dit quoi? Tu viens à Abidjan, tu viens porter plainte. Et avec maintenant, nous avons divulgué sur les réseaux auxquels on est en train de trouver une solution pour lui. Moi, personnellement, je parle de ma propre personnelle. J'ai dit, le fait que on va continuer sur la plainte, demander la justice, les choses, ça prend du temps. Dans l'immédiat, comme le directeur du CHU, lui-même, qui a un peu les moyens que nous tous, c'est pas le fait du CHU que je regarde, le monsieur est prêt pour nous ouvrir. Au niveau de la loi, là, personne n'a les moyens que quelqu'un. Personne n'a les moyens que quelqu'un au niveau de la loi. Je ne parle pas de la loi. Écoute, non. Parce que vous prenez l'affaire le directeur du CHU ou bien le ministre a plus de valeur que lui. Non, moi je trouve que c'est vraiment méchant. Le monsieur pose plainte d'abord, il pose la plainte, quel que soit le nombre de temps qu'il va mettre, il aura solution à son problème. Mais néanmoins, là, les causations qui sont faites là, moi je trouve ça vraiment juste, les causations pour le moment, pour qu'il puisse avoir un suivi. Mais pour la plainte, parce que son pied qui a été amputé, c'est pour la vie. C'est pas pour dire que le pied va pousser. Même si c'est dans 10 ans, il va rapporter son procès. Même si c'est dans 10 ans, il va rapporter son procès. C'est de ça que je parle. Parce que ne venez pas faire dormir l'enfant et puis l'affaire va être clos. Il pose plainte. Si c'est contre le CHU, il pose plainte contre le CHU. Si c'est contre le ministère, il pose plainte contre le ministère. Parce que une erreur médicale là, même s'il n'a pas les moyens là, ça vient d'une poursuite. Voilà, ça vient d'une poursuite. C'est parce qu'il n'a pas les moyens qu'il peut pas poser plainte. Il peut poser plainte, c'est d'abord le début d'abord. Il pose plainte. Maintenant, s'il y a la cotisation à faire pour qu'on puisse l'aider, on l'aide. Sur la plainte là, elle est obligatoire. Il ne veut pas dire que non, comme c'est affaire d'État, que ça va possible. Non. Jeune. Moi, mon père a eu ce problème-là, puis il est décédé. Hein. Mon père a eu ce problème-là, le même problème que tu as là. S'il vous plaît. Mon père a eu ce même problème-là, et puis il est décédé. Il est décédé, ça ne fait pas 2 semaines. Motion, s'il vous plaît. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, parce que je vois que vous vous répétez. Vous avez dit, moi, je suis monté pour savoir, pour comprendre. Voilà. Et Monsieur Puissance, hein. Je vous comprends, hein. Je comprends votre douleur. Je sais que vous avez très mal. Les jours, quand vous avez dit que vous faites des nuits blanches, ça, je comprends aussi. Je comprends très bien. Bon, moi, je suis pas dans la même figure de cas que les autres qui ont parlé. Hein. Moi, je veux comprendre, tu vois. Je veux comprendre. Je veux que tu te calmes, hein. Parce que dans ta situation, c'est seul le calme qui va arranger les choses. Faut pas faire les choses avec émotion trop. Je sais que tu as très mal, hein. Voilà. Maintenant, je veux comprendre. Comme moi, je suis infirmière, hein, donc je veux comprendre. Tu dis que tu es diabétique parce que tu veux porter plainte. Faut avoir une bonne justificative pour porter plainte. Oui. Voilà. Voilà. Moi, déjà, ce que tu as dit, tu es diabétique. Tu as fait un accident. C'est ça, non? Oui. Tu as fait un accident. Vu que tu es diabétique, tu vois, la cicatrisation au niveau des diabétiques, c'est difficile. Tu vois, c'est pour cela que quand tu es diabétique, il faut faire vraiment attention à tes pieds. Voilà. Pour, même quand tu as des petits blessures aux pieds, il faut vraiment, même si c'est tout petit comme une, mais il faut vraiment, vraiment désinfecter bien et porter les chaussettes bien propres pour ne pas infecter. Parce que pour les diabétiques, c'est difficile. Hein? L'irrigation, la vascularisation, tout est difficile. Parce que même vos nerfs, vos veines sont attaquées. Donc, ceci étant, maintenant, si tu viens faire un accident en plus de cela, moi, en tant qu'infirmière, je pense qu'il devait bien avoir une bonne cause pour qu'on t'ampute. Donc, ça serait bien pour porter plainte. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé aussi. Tu vois, non? Poser des questions au médecin.
pour comprendre. Tu as dit qu'il y a eu une erreur médicale. Il a dit qu'il y a une erreur médicale. Mais quand on dit erreur médicale, il faut vraiment y avoir une erreur médicale. Je vais expliquer rapidement. Je t'écoute. Alors, j'ai fait l'accident au niveau du carrefour d'Autré. On m'a envoyé dans un hôpital de la place à Bobo. Arrivé à Bobo, l'infirmière, même le médecin qui était là, mais c'est pas qui, a dit qu'ils ont fait des radios. Et ils ont constaté que le fémur était cassé. Comme l'infirmière, vous savez, le fémur, c'est où? C'est au niveau de la cuisse, l'os de la cuisse. Le fémur était cassé. Donc, la dame a dit, comme c'est une fracture interne, elle ne peut pas réagir. Et je suis d'habitude donc d'aller au CHU de Cocody. Mais écoutez bien. Arrivé au CHU de Cocody, c'était le même jour. Arrivé au CHU de Cocody, j'ai fait 2 jours sans soins. 2 jours, parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'est dans la deuxième journée que ma grande soeur est venue avec de l'argent et ils ont pris maintenant mon dossier en main. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit que c'est diabétique et que j'ai même besoin d'un diabétologue sur le champ. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de diabétologue au CHU. Et donc, j'ai dit, bon, je vais envoyer mon diabétologue alors. Ils disent non que mon diabétologue ne peut pas venir intervenir au CHU. J'ai dit, ok. Donc, dans le deuxième jour, ils m'ont placé un antidouleur. Et le monsieur est venu poser un plat au niveau de mon tibia jusqu'à la plante de mes pieds, jusqu'aux orteils. Mais il faut dire déjà que les 2 jours-là, j'arrivais à bouger les orteils. Moi, j'ai bougé mes orteils. Voilà, sans problème. Donc, quand il a posé le plat, après 2 jours, le plat a commencé à me serrer. Quand le plat a séché, là, ça a commencé à me serrer la chair. C'est-à-dire que ça serrait même mes mollets. Je n'arrivais même plus à bouger mes orteils. Donc, j'ai interpellé immédiatement le médecin. Là. Puisqu'il avait son numéro sur les ordonnances, je l'ai appelé pour dire, « Ah, médecin, voici ce qui se passe. » Il est venu dans ma salle, il a regardé et il s'est mis en colère. Il a commencé à m'insulter. Tu es malade. Tu as quel problème? Tu penses que tu es le seul patient, mais quoi? Si tu as l'argent, va dans une clinique. Faut pas m'aider si tu as quel problème. Hein, pas m'aider, faut m'appeler. Il dit, mais le plat là est en train de me faire du mal. S'il te plaît, enlève-moi le plat. Si j'enlève là, tu quittes le CHU. Si tu quittes le CHU, il a commencé à m'insulter devant les gens. Et c'est mis en plein les parties. Après 5 à 6 jours, il est revenu encore avec un bidon de 5 litres d'eau. Qu'il a mis la main sur une corde et qu'il a attaché au niveau de mon pied et le bidon pendait comme ça et mon pied était sur le lit. La douleur s'est intensifiée. Encore, je l'ai interpellé pour dire, ah, je ne ressens plus mes pieds. Je sens une forte douleur à l'intérieur, mais je ne sens plus mes pieds. Il faut me retirer le plat. Il dit, il ne peut pas retirer. Que ce n'est pas moi qui va lui apprendre son travail. Vous comprenez un peu. Et puis, il est reparti. Donc, en tête de le 13e, 14e jour, il y a un professeur qui est venu faire une visite. Quand le professeur a vu mon pied, il a crié. Mais qui a fait ça là? Qui a posé le plat là? Enlever le plat immédiatement parce que le petit est en train de faire un syndrome d'éloge. Il faut lui retirer le plat immédiatement pour l'envoyer au bloc pour faire des ouvertures au niveau de la cuisse. C'est comme ça que j'ai été envoyé au bloc opératoire. Avant de rentrer au bloc, ils m'ont pris encore 200 000 francs. Et je suis rentré au bloc. Après le bloc, je suis revenu, le pied était déjà mort. Alors ils m'ont demandé de partir, faire un scanner. Et quand j'ai fait le scanner a révélé qu'il y a un de mes nerfs qui était étouffé par un gaz et non par le sang. Écoutez, il faut qu'on soit clair. Il y a un de mes nerfs qui est étouffé par un gaz et non par le sang. Voilà. Et donc, quand je suis revenu avec le scanner qu'ils ont vu, ils m'ont dit, non, écoute petit, c'est fini pour toi, il faut que tu amputes. Mais avant cela, j'avais demandé à ce qu'on ouvre la cuisse et qu'on colle l'os. Ils m'ont dit que non, si on fait ça, tu vas mourir, ben, tu es diabétique. Il n'aura pas trop de suivi, tu vas mourir. Donc, il a dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez maintenant m'amputer après le genou? Parce que si m'amputez pas le genou, je suis sur la cuisse là. Donc, je vais mourir, ça va même. Il dit, non, il faut appeler un pasteur qui a prié pour toi. J'ai les captures de crâne. Et il est parti. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, je préfère aller mourir à la maison que de me faire amputer au CHU et puis mourir. Donc, l'erreur médicale là, que vous vous demandez là, ça vient de ça découle du syndrome de l'auge. Le syndrome de l'auge a été causé par le plat qui a serré mon pied jusqu'à tout faire mes nerfs. Je vous remercie. Oui, j'ai compris maintenant. Il y a eu une négligence. Il y a eu une négligence. Oui, il y a eu une négligence. Parce que là, quand tu as eu le problème, où la plaque te serrait là, on devait desserrer la plaque. C'est-à-dire qu'on devait couper un peu, tu vois, même si on n'enlevait pas, parce que déjà, tu as une fracture. Voilà. On devait desserrer la plaque. Et normalement, on devait te faire un scanner ou une radio. Effectivement. On devait te faire ça. Ils n'ont pas fait. Il y a eu une négligence. C'est vrai. Tu as raison. Là, tu peux porter plainte pour ça. Et puis, ta plainte là, hein, il faut bien préciser pourquoi tu portes plainte. La négligence là. Parce que c'est la négligence là. Et puis,
comment on appelle là, la faute professionnelle là. C'est ça qui fait que tu portes plainte. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est vrai, tu portes plainte pour ça. Parce que déjà, tu as demandé à un diabétologue. Parce que vu que tu étais un diabétique, quand tu as fait l'accident, est-ce qu'il y a eu, tu as eu fracture, mais tu n'as pas eu ouverture de fracture? Non. Non, tu as eu fracture simplement. Donc, déjà, c'était très bon pour toi. Tu n'as pas eu ouverture. Comme tu es diabétique, tu n'as pas eu ouverture. C'était très bien. Tu as été chanceux. Donc, en ce moment-là, on devait te mettre la plâtre. Et puis maintenant, on devait surveiller vraiment la plâtre. C'est ça. On devait surveiller la plâtre. Parce que vu que tu es diabétique, tu as des problèmes de veines, d'artères, de nerfs. On devait surveiller plus ta plâtre. Parce que toi, tu es diabétique. C'est ça, ils n'ont pas fait, c'est une négligence de leur part. Ça, tu as raison. Ça, il faut bien préciser. Ta plainte doit être bien précise. C'est bien. Mais maintenant, moi, on va pas parler dans le vide. Ta plainte, c'est légitime. Maintenant, actuellement là, où tu es là? Tu as une petite partie du cuisse, non? Oui. Qui est là. Tu as ton, voilà, tu as ton moignon qui est là. Il faut bien désinfecter ça. Ton moignon là, il faut bien désinfecter et fermer. Ton drap doit être propre. Tes habits doivent être propres. Chaque fois, tu prends un bain tous les jours, au moins un bain, et tu fais ça propre, toi, à ton niveau. Ça, tu n'as pas besoin de... Voilà. Et puis, il faut avoir des choses, des pansements bien pour désinfecter, pour faire ça. Parce que sinon, là, tu risques d'être coupé encore. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, là, tu as déjà ça, c'est bien. C'est facile d'avoir une prothèse, voilà, qui va rentrer facilement, tu vois, non? Voilà, donc c'est ce que je voulais te conseiller, de bien faire attention, désinfecter ta plaie. Merci, bon courage. Je descends. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, Dieu est bon, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je voulais savoir, la puissance, est-ce que tu as reçu les 50 euros que j'ai envoyés pour être sûr de ne pas avoir envoyé sur un mauvais numéro? Vérifie, s'il te plaît, et puis tu me fais un retour. Vous dites non, je n'ai pas reçu ça. Tu as envoyé sur quoi, ma chérie? Sur le numéro Move qui est affiché là, que vous avez mis, j'ai fait un sound wave. Un sound wave? Oui. C'est à vous, Dico, non? Oui. Ah, il vient de recevoir ça. Sur Eva. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci, ma chérie. Que Dieu bénisse. La plainte, là, faut pas négliger. Tu poses la plainte. Et puis, quelque chose, ce que ça va donner, là, ça va donner. Tu comprends? Faut pas mettre tes tisserets pour ne pas que tu poses la plainte. Faut poser la plainte. Tu comprends? La plainte est très importante. Moi, j'ai perdu mon père, ça fait deux semaines, j'ai perdu mon père dans ce genre de trucs-là. La plainte, tu la poses, l'erreur médicale-là, parce que faut pas oublier de te distraire, les Côte d'Ivoire, les Jacques, oublier de te distraire, il ne pas que tu poses la plainte, parce que le monsieur vient du même village que eux, tu poses la plainte, même si c'est le ministre, où ça va monter, quel que soit le temps, ça va prendre. Faut pas oublier de te distraire. Voilà, moi, je descends. D'accord, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, j'aimerais vraiment dire merci à la puissance pour cette force et ce courage que tu as eu de venir dénoncer. Comme je le disais en commentaire, tu es comme un messie pour tous ces malades-là aujourd'hui. Il y en a qui sont morts, qui n'ont pas eu le courage de dénoncer parce qu'ils avaient peur qu'on ne les réponde pas ou qu'on les harcèle. Donc nous serons là toujours avec toi pour te donner du courage. Moi, j'ai perdu mon père, ça fait 22 ans. Au CHU de Trècheville. Et j'étais enceinte, j'avais 8 mois. Et je vous assure que j'avais pas de téléphone portable. Et à cause de 20 000 francs, j'ai encore les larmes aux yeux parce que c'est des situations que les gens ne peuvent pas comprendre. On va mourir, moi particulièrement, je vais mourir. Je vais mourir avec ça. Je n'ai jamais parlé de ça parce que j'avais aussi peur de parler de ça. J'avais parlé où en ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu vas aller te plaindre chez qui? C'est à la maison, c'est-à-dire que mon papa est parti à 10 heures à l'hôpital parce qu'il n'arrivait pas à respirer. Et quand il est parti, il n'arrivait pas à respirer. On lui a dit qu'il fallait qu'on lui donne de l'oxygène et que mon papa devait donner 20 000 francs avant qu'on ne lui donne de l'oxygène pour respirer.
Donc, le papa a attendu jusqu'à... Il a essayé d'appeler mon grand frère qui était à la radio. Donc, il est en train de travailler. Il a dit qu'il arrive de passer le portable au médecin pour que le médecin lui mette le respiratoire le temps qu'il finisse au travail pour venir. Les médecins ont dit qu'ils ne veulent pas appeler au téléphone, que le vieux devait venir avec l'argent. Le papa a demandé pardon, les gens n'ont pas voulu. Donc, il est retourné. Il vous assure que mon papa a marché du chute de 13 huit jusqu'à la maison. Chez lui, moi je ne savais pas. Donc, il est marché, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, il a marché tout seul jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, il est essoufflé et puis il est tombé. C'est là-bas qu'il est mort. Donc c'est les gens de la cour, quand on est arrivé, il a expliqué que il est parti au CHU. Il a dit que c'est quelqu'un, c'est pas parce qu'il n'a pas l'argent, mais aujourd'hui il a un problème, donc il est venu. Ils n'ont qu'à lui mettre que lui. Ses enfants, ils vont venir pour une seule journée parce que... Donc, en tout cas, il y a des véritables problèmes qui se posent à l'hôpital. À l'hôpital, vraiment, il y a au CHU, surtout les CHU. Quand on arrive, c'est vraiment dit que c'est pour l'État. Donc, on se dit que l'État, déjà, il y a un service social qui est là, qui doit prendre les cas urgemment. Mais je vous assure que quand vous partez au CHU, là, c'est celui qui a l'argent, là. C'est lui qu'on reçoit premier. Pourtant... Mais c'est pas comme ça. C'est celui qui a les relations. Franchement, je dis merci à la puissance. Vraiment puissant. Faut pas te... On va cotiser. Moi, je vais cotiser. Tout le monde va cotiser. Mais arrêtez aussi d'harceler les gens qui prennent le courage de dénoncer. Vous savez, quand vous dénoncez pas là, vous partez, même si vous mourrez là, vous partez avec eux, c'est-à-dire un mal. Ma fille aussi, elle est épileptique. On s'en va au CHU de Cocody. Imaginez-vous que au CHU de Cocody, tu arrives. Tu veux faire l'électroencéphalogramme. On vous dit, on vous donne un rendez-vous de 2 mois ou bien 6 mois. Oui, voilà ça. Hein? Que y a rien. Et puis quand tu t'en vas là. Il n'y a jamais de place là-bas. Hein? Je dis à l'époque, je ne sais pas si maintenant c'est comme ça. Je vous parle de quelque chose de maintenant 20. Maintenant. Il n'y a jamais place là-bas. Ah, nous, on était là-bas pour l'éducation de ma maman. Jusqu'à présent, on nous dit qu'il n'y a pas place. Jusqu'à présent, il n'y a pas place. Voilà. Mais quand tu t'en vas, tu t'assois sur le banc là. Tu vois que c'est... 6 mois, on a payé à la caisse là-bas. On nous a donné des papiers, on nous a tout remis. La carte de rentrée, tout ça, on nous a tout remis. Mais jusqu'à présent, on nous dit toujours qu'il n'y a pas place. Elle veut faire une rééducation. Parce qu'on était à l'hôpital général de Port-Boué. Quand maman est partie là-bas, elle a marché pour aller à l'hôpital général de Port-Boué. Le matin, elle a pris son petit déjeuner. En même temps, elle n'est plus réveillée jusqu'à midi. Elle est rentrée en coma en même temps. De lundi, matin où elle a pris son petit déjeuner à 10h, elle est rentrée en coma là. Maman s'est plus réveillée qu'en mercredi. Et puis, ils n'ont pas changé de salle. Elle est dans la salle où il y avait des patients là. Ils l'ont laissée là-bas avec la perfusion. Donc, j'ai terminé, Rachou. Donc, c'est pour dire vraiment qu'il y a problème, il y a véritablement problème. Moi, je ne suis plus partie avec ma fille épileptique. J'ai dû partir au Sénégal. Et c'est au Sénégal qu'ils ont fait. C'est pas normal. C'est au Sénégal. En une semaine, je vous dis, à l'hôpital de Fan, ils ont pu détecter tout ce que, pendant 2 ans, j'ai trimé ici. On donne tel médicament, l'enfant pique plus. On donne ceci, l'enfant pique plus. Alors, ici, je tiens à remercier et dire merci y a un professeur Akani. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un neurologue. Je lui dis grandement merci parce que c'est lui qui a pris en charge aujourd'hui ma fille. Aujourd'hui, elle ne pique presque plus à cause d'un médicament qu'elle prend. Donc, il y a des docteurs qui ont la main sur le cœur. Mais souvent, ceux-mêmes qui ont la main sur le cœur, là, les méchants, là, les étouffent. Il y a ça aussi qu'il faut rappeler. Les méchants, là, ils sont tellement nombreux qu'ils les étouffent, en fait. Donc, on remercie ces un médecin, là, qui ont le bon cœur d'aider les malades. Donc, je m'arrête là pour dire courage et puis merci à tous ceux qui sont là. Et puis, si quelqu'un vient l'emmerdant, il faut que tout le monde en commentaire et ça chante sur ces personnes-là qui viennent l'intimider. Merci. Merci beaucoup, Anna. Merci bien. Voilà. En fait, je vais apporter une petite contribution. Je faisais un petit truc à mon frère. La puissance. La puissance. Oui, oui. Tout dépend. Ce que tu vas faire de façon médicale, les factures, il faut les garder. Écoute-moi bien. Non, j'ai tout avec Moïse. Il faut dire qu'au départ, les factures que tu vas faire, mais c'est à
Tu t'es acheté. Tu t'es acheté une sirène. Tu gardes la facture. Parce que après, dans ton procès là, hein, dans le procès là, tu vas présenter tout. Voilà. Il va te rembourser. C'est-à-dire que ils vont rembourser tout ce que tu as dépensé. D'accord. Alors, moi, je voulais dire, au départ, je n'ai pas voulu porter plainte. Il explique encore l'histoire. Moi, j'ai encore été témoin. Moi, j'ai dit à Pachaou que, même si le message. Ne pas essayer de désespérer. Garde tout ce que tu fais. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Au début, je t'ai envoyé, j'étais écrit en Ubos. Tu me réponds et puis le reste, là, on va essayer de causer un peu. Pas de problème, merci beaucoup. Au départ, je n'ai pas voulu porter plainte. Moi, d'accord. Moi, j'ai encore été témoin. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'ai encore témoin. Comment est-ce au boulot? Le médecin m'avait appelé comme ça. Et il m'a donné 3 jours pour mourir au CHU. Il m'a dit qu'en 3 jours, j'ai mouru. Même si le médecin là prenait son téléphone, parce qu'on avait causé, on avait gardé nos différents numéros. Même si le médecin avait pris la peine de m'appeler, comme on dit, allô, frère, comment tu vas? Est-ce que tu as une solution à ton pied? Ça allait abaisser mon cœur. J'allais dire, ah, au moins, je suis un être humain devant lui. Il n'y a pas, j'ai encore témoin. Et puis, l'idée de porter plainte contre le CHU même n'est pas venue de ma tête. Mais c'est la négligence et puis la foutaise qui est derrière là qui me fait mal. Quand ils sortent de l'esprit, quand ils sortent de l'esprit, c'est la merde quoi, c'est la colère, c'est la merde, parce que ce qu'ils font là, c'est pas humain. Je sais pas pourquoi les gars prêtent serment. Vous voulez être menacé, vous avez prêté serment pour sauver la vie, mais sauver la vie, maintenant ça vous coûte quoi de les tuer? Ça vous coûte quoi de les tuer? Ben cette histoire à Abidjan, c'est la merde, encore tu vois, c'est la merde. Donc, et l'État n'a qu'à bien tuer les menacés. Si tu veux pas faire la menace, il faut laisser. Non, la peine va se décoder de moi, je vais aller en prison. C'est ce qui a fait qu'il a porté la peine en fait. Mais je vais aller en prison. Voilà, et cette histoire serait médiatisée. Cette histoire serait médiatisée. Là, on va voir là où ça va aller. Ah, je vais, s'il vous plaît. Le procureur l'a appelé et que depuis l'appel, je suis. Que si ce n'est pas plainte, ça se décoder de moi. Je vais porter la plainte et je vais aller en prison. Comme la Côte d'Ivoire, c'est même pays de droit. C'est même pays de justice. Et que si ça, tout est permis, moi, j'ai porté la peine et puis aller couper en prison. C'est mieux d'aller mourir en prison que de mourir dans mes enfants et de voir souffrir. À tout moment, tu portes la plainte, tu dis sur les médias, tout ce qui se passe, tu informes le public, tu informes tout le monde. On sait ce qui est en train de se passer. Parce que cette histoire-là de la médecine, là, c'est la même histoire en train de tuer des gens. À cause de la médecine, les gens meurent. Les gens meurent. Bientôt 2 ans, ma mère dans la chambre, elle ne marche plus. Bientôt 2 ans. On était à l'hôpital de Poboué, novembre 2022. On était à l'hôpital de Poboué. Elle a marché pour venir à l'hôpital de Poboué. Jusqu'à elle est partie le dimanche. Le lundi matin, elle a pris son petit déjeuner. Et madame, elle est rentrée en coma. Elle s'est plus réveillée. Elle s'est plus réveillée pendant tout le temps. Madame Rachou, excusez-moi, vous allez continuer tout à l'heure. N'oubliez pas d'envoyer vos dons à la puissance. Nous sommes là pour relever des fonds pour la puissance, pour les deux. D'accord? Les numéros sont en haut. C'est le numéro qui est mis en grand. On a le numéro MOVE, le MOVE Money Wave, le 01-01-77-05-83. C'est le MOVE Money Wave, le 01-01-77-05-83. On a le numéro Orange, Money, le 07-03-62-71-29. Je répète, le Orange Money, c'est le 07-03-62-71-29. On a le numéro, on a le nom pour Western Union, c'est ça la puissance? Le nom en bas pour Western Union. La puissance, tu m'entends? Oui, c'est pour la puissance, depuis les RIA là, c'est le nom, c'est mon nom qui est en bas. Nden Asi Afiz. Nden, c'est ça? Asi Afiz. Ok. Pour les Western Union, vous pouvez utiliser le nom ici affiché Ndin. C'est le nom de famille Ndin. N-D-I-N. Hein. Le prénom, c'est Asi Hafiz. Je répète le nom. Hein, Ndin. N-D-I-N. Prénom Asi Hafiz. S'il vous plaît, on a besoin de vos dons. On a besoin de votre aide. La puissance est là. Il a besoin de... Hein, de beaucoup d'aide, de beaucoup de soutien. On appelle à vos cœurs, à vos soutiens. Donc, les numéros Wave sont là. Le Wave Move Money est là. Le numéro Orange aussi est là. Le nom pour Western Union aussi est là. S'il vous plaît.
Prenez les numéros, essayez de faire un don, tous les dons comptent. Tous les dons comptent. Merci beaucoup. Je disais tantôt, oui, il y a des gens qui disent dans le commentaire qu'on n'a qu'à arrêter. Non, c'est juste pour vous donner des exemples que la médecine à Abidjan, ça ne va pas. Ce n'est pas seulement la puissance qui est dans ce problème-là. Il y a des gens qui vivent ça, mais qui n'ont pas les preuves ni les moyens suffisants pour pouvoir dénoncer. Donc, c'est pour ça que chacun donne ses exemples, c'est qu'il a vécu. Et c'est pas ce qui, des histoires, c'est ce que on a vécu personnellement. Pour cette histoire, moi, ma mère est restée couchée. Elle est restée couchée bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, elle n'est pas paralysée, elle arrive à soulever ses membres, mais elle n'arrive plus. Elle est debout, elle peut rien faire, elle peut pas manger, elle n'a pas parlé. Donc, comme ça, quand on est arrivé à l'hôpital, le dimanche, ils lui ont fait des sérums, des tout, des perfusions. Le lundi, elle a pris son petit déjeuner, elle est rentrée en coma. Moi, je ne connais rien à la médecine, mais je vois à la télé que quand quelqu'un rentre en coma, on l'envoie à l'urgence, aux réanimations. Où j'ai menti? Je ne connais rien à la médecine. Mais si quelqu'un rentre en coma, on doit l'envoyer et à l'urgence ou bien dans une phase de réanimation normalement. Ma mère est en coma depuis 10h, le lundi 10h. Elle est restée dans la salle où il y avait les patients jusqu'au mercredi, à l'hôpital de Pobri. Jusqu'au mercredi. On lui mettait les perfusions et le parastamol, les perfusions de Paris, alors que la personne est en coma. Mais quelqu'un sans manger en coma pendant 3 jours, c'est que la personne va mourir, ce qui est clair. Ce qui est clair. Mais elle a fait les 3 jours. Elle n'est pas morte. Et c'est là maintenant, il y a une tante. Elle connaît bien la médecine et elle a été un peu. Donc, elle a commencé à faire les relations, elle a commencé à faire du tapas. C'est là maintenant, on nous dit que c'est parce qu'au CHU, il n'y a pas place, qu'ils l'ont laissé à Pobri. Qu'eux, ils n'ont pas de salle de réanimation ici, à Pobri. Donc, au CHU, il n'y a pas place. Donc, vous n'avez pas de salle de réanimation. La personne est en coma, ça fait 3 jours. Mais vous êtes là en train de nous dire qu'elle va se réveiller à cause des perfusions. Qu'elle est en train de se reposer, elle va se réveiller alors que c'est coma. La personne est rentrée dans le coma. Et pendant les 3 jours. Donc, quand ma tante a commencé à faire les tapas, on nous a donné une ambulance, on nous a donné un papier d'aller au CHU. Pour rentrer dans l'ambulance, ils n'ont même pas mis une infirmière sur nous. Même sa perfusion, ils ont enlevé. Ils nous ont laissé, nous les enfants, comme ça, avec elle, dans l'ambulance, avant d'aller au CHU. Alors que l'embouteillage de Pobre au CHU, elle devait rester. Mais Dieu a fait grâce, elle est partie au CHU. Ils nous ont reçus là-bas. Et tant qu'il n'y a pas place, ils nous ont reçus au CHU. Et ils l'ont pris. Et c'est au CHU maintenant, ils ont tout fait, parce que là-bas, il y a des étudiants. Au CHU, on était au Smith. C'est là où on nous a reçus, et puis ils ont fait mettre des reprises jusqu'à ce qu'elle est revenue en vie. Elle a fait plus de 1 mois dans le coma là-bas. Elle est revenue en vie. Mais on est rentré aujourd'hui, elle est restée mobile. Alors que quand on était parti à Pobri, si en même temps, les cieux ont suivi là-là, je ne suis pas sûr qu'elle va rentrer dans le coma. En même temps, la salle de réanimation, quand on l'a réanimée, mais en même temps, en une journée, je ne sais pas ce qu'elle va faire les 1 mois de coma. Mais c'est parce qu'elle a fait 3 jours sans soins dans le coma qui a prolongé le coma. Elle a fait 1 mois. Et nous, on paye les pots cassés jusqu'à présent. On subit ça jusqu'à présent. Après, on est parti au CHU de Cocody, là, pour faire. Et tout là. Comment on dit même le mot m'est échappé. On devait faire rééducation au CHU de Cocody. On est parti, on a fait et tout là. Les premiers, les analyses et tout, on nous a reçus. Allô? Excuse-moi, ma chérie. La puissance, tu reçois encore? Non, moi, je n'ai pas reçu. Mais ta femme là-bas, elle dit quoi? Bon, comment? Je vais l'appeler. Avant, on veut me dire en tout cas. Attends, l'appeler. Comment t'es venu peut-être? Je vais l'appeler. Essaye de l'appeler pour nous dire. Parce que moi, d'accord, après, je vais. D'accord. Je vais live. Dans 20 minutes. En tout cas, ma chérie, il y a quoi ce qui arrive à ta maman? Que Dieu la fortifie. Que Dieu la fortifie. Les hôpitaux ivoiriens ou bien africains, là, il y a toujours des trucs comme ça. Et puis, c'est la négligence. C'est la négligence. Je ne sais pas si les patients meurent là. Ça les coûte quoi? Ça les rapporte quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'agent de mort qui les intéresse ou bien l'agent des secteurs. On va finir là-bas qui les intéresse. Moi, je ne comprends pas. Et si vous ne pouvez pas gérer là, on va aller dans un autre hôpital ou dans une autre clinique où on peut gérer. Non, mais on nous laisse comme ça. Je vais me fâcher. Fâcher, maman, fâcher. Rachou, excuse-moi. La puissance, tu as Abidjan? Ah,
C'est qui cet enfant? Laisse. Est-ce qu'il vit à Abidjan, la puissance? Non, il était à Abidjan. Il n'est pas à Abidjan. Ah, d'accord. En fait, j'ai partagé, il y a des gens qui voulaient l'aider avec des vivres et tout, mais il n'est pas à Abidjan. Il n'est pas à Abidjan. D'accord. Maman, aide la puissance. C'est un problème, mais on ne te parle pas. Tu es quoi? Il y a quoi? La puissance. Maman Sandra, tu parlais. Je te demandais si tu vis à Abidjan, parce qu'il y a des gens qui, à Abidjan qui voulaient t'aider avec des vivres. Je viens à Abidjan. Je viens à Abidjan. Je viens à Abidjan. Ah, d'accord. Courage, courage, la poussée du courage. La lutte continue. Si tu arrives à dénoncer, courage, la puissance, que le Seigneur te fortifie et qu'il t'aide vraiment à traverser ces épreuves. Moi, je vais descendre et puis bonne journée à tout le monde. Merci, moi, Sandra. Merci pour tout. Maman. À qui? Oui. Allô? Allô? Kilo? Allô, maman. Oui? Bon, elle n'a pas reçu depuis le rangement de la femme sénégalaise avec les 10 000 francs. Depuis le rangement de la femme sénégalaise, les 15 000 francs avec les 10 000 francs qu'elle a reçu dans le rangement. Ok, donc après, tu me diras combien tu as pu récolter aujourd'hui. D'accord, maman. Fais ça de côté et puis à partir de la semaine prochaine, on va bien faire le truc. D'accord, maman. Tu me diras. Ils disent quoi, les gens qui sont en bas? La puissance, faut te calmer, d'accord? D'accord, maman. Te calmer, que Dieu te fortifie. Amen. C'est avec ton calme que tu as réglé. Si tu ne sais pas écouler, il y a quoi? C'est ce que Dieu a prévu, donc on fait comme ça. Merci beaucoup. Maman. Tu as reçu quelque chose encore, on dirait? Non, c'est un message qu'elle m'a envoyé. Elle a fait capture quand vous m'envoyez. C'est trois personnes qui lui ont envoyé l'argent. Ok. Là, je fais quoi ça? Mon téléphone. D'accord. Essaye. Attaquant, tu es là? Attaquant, il faut monter. Comme on a encore 20 minutes, là, monte. Tu vas essayer de motiver un peu les gens. Moi, je suis en train de faire. Après, t'es Kylian là. Non, si tu es là, faut monter. Bon. Ça va. De toute façon, ils vont attacher, attacher. Je ne sais même pas c'est pourquoi. Non. S'il te plaît. Tu as été blessé, lève-toi. C'est mon téléphone. Attaquant, t'es pas là. Tiens, bouge un peu. Ok. Essayez un temps soit peu de vous mettre à la place du jeune. Moi, franchement, j'essaie de me mettre à sa place. Je ne veux pas accuser des médecins, mais les médecins africains, hein, franchement, on voit plusieurs cas, les gens meurent dans les hôpitaux. Là. Ils ne sont pas concentrés du tout. Comme ça, voilà toujours une longueur d'avance sur l'Afrique. Claire net. Moi, ma femme vient de voir 5 000 encore. Merci à toi. Là-bas, pardon, on a un monnaie, c'est un numéro qui vient à moi. Je ne sais pas qui a fait, si vous voulez le nom, ça. D'accord. Si là, tu es malade dans l'hôpital, là, c'est ta santé d'abord. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu soignes, après, tu n'as pas tué. Tu guéris d'abord. Et après, maintenant. Ah, d'accord, maman. Bon, merci beaucoup. Maman, comme tout, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Oui, après, on te donne ça. Même si tu as payé pendant 10 ans, mais tu guéris d'abord.
Oui, allô? Oui. Ouais, tu as bien reçu les 5 000, c'est ce que j'avais sur mon orange. Moi, j'ai reçu, bon, merci beaucoup, Dieu bénisse. Ok, dès qu'il y a quelque chose, on va essayer d'envoyer encore. D'accord, merci. Merci en tout cas. Merci. Pourquoi tu fais toujours ça, Claire? Tu n'as pas chaud? T'as pas chaud? D'accord, moi en tout cas, la puissance. Après, tu me feras le compte rendu, d'accord? D'accord, moi. Je dois apprêter que vous parlez le procès. Je commence à 17h aujourd'hui. D'accord, moi. Je ne dis pas que tu es qualifié. Hein. D'accord, moi, c'est dimanche, non? Dimanche, oui. Moi, pour moi, c'est dimanche, non? Oui, pour toi, c'est dimanche. Hein. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, de rien. Donc, on va revenir encore, tu vois. On va, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à. Oui, monsieur. Big Noir, oui. Oui, madame. Ça va, ma? Oui. On se connaît? Comme je vis que tu as vu son numéro de Mouk, monnaie, France, monnaie, quoi. C'est quoi? Oui. Le numéro que tu as vu, c'est là. C'est pourquoi? Tu as dit quoi? Bon, j'ai dit, comme tu as avisé sur ton téléphone là, Move Money et Orange Money, quoi. Bon, je demande là, c'est quoi? C'est pour faire don, c'est pour aider le frère. C'est pour quoi? C'est pour aider le frère qui est. C'est pour aider le frère en gros. Il est malade. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Tu as fini? Moi, je suis sénégalais. Comme actuellement, je suis au Sénégal. Tu vis où ça? Kylian, attends, va écouter le monsieur. Tu vis où? Je dis actuellement, je suis au Sénégal. Ok. Je salue tous les Sénégalais là-bas. Ah, ok. Moi, je salue tous les Ivoiriens, quoi. Mais moi, je suis face à vous, quoi. Vous me frappez mal en Côte d'Ivoire, quoi. La finale passée. Vous me frappez mal, même, voilà. Ça a quoi à voir? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais match Sénégal-Côte d'Ivoire, là. J'étais là-bas, même. Mais. Quand match est fini là, les Ivoiriens là, m'ont frappé même. C'est ça qui me fait mal. Ils m'ont frappé. M'ont frappé. J'étais à Yamoussoukro. Ils t'ont frappé? Oui, oui, ils m'ont frappé même. Tu as fait quoi? Ils ont volé moi. Ils ont pris mon sac quoi. Pourquoi tu mens comme ça? Bon. Non, c'est pas tu mens, c'est vrai, on donne les yeux. Ils ont pris mon sac. Oui, on est là, quand je suis sorti là, il y a quelqu'un qui roule moto là. Il est venu prendre mon sac, quoi. Et comme ça, il n'y a pas d'argent. Yako. Yako, il faut nous excuser. On va prendre ton sac, tu vois. Oui. Mais il n'y a pas de problème, quoi. C'est la vie même. Tous les pays sont comme ça. Mon frère, je te fais de gros bisous, d'accord? Ah, tu me fais du coq à l'âne, là. Je suis un peu fatigué, même apprêté. Donc, gros bisous. Tazan dit quoi? Je suis là. Seni dit, il est là. Comment t'es? Seni, monte, on va clore le live. Parce que moi, il est fini. On va clore le live. Tazan.
Ouais, il y a quelqu'un qui va appeler le monsieur là tout à l'heure là. Qui? Quelqu'un sur après te dit en PV. Il y a quelqu'un qui va l'appeler. Il va l'appeler tout à l'heure. Il a envoyé le live même dessus quand même. Il va l'appeler. Ok. Quelqu'un sur, il va s'abonner à toi après Oui, merci. Il va appeler le petit là même, le jeune, le petit, pardon, grand frère. Il va appeler le grand frère dessus là. Il va l'appeler tout à l'heure là même. T'as un jeune bananier là-bas ou bien c'est comment? T'es malade. T'as bien aimé ton camarade. Ton coco. T'as vu une tête là? Ah, tout à l'heure. Okay. D'accord. La puissance, il faut remercier tous ceux qui t'ont fait un petit don là. D'accord. Pas qu'on revienne gentil pour. Maman, je tiens d'abord à dire merci à Maya pour mon maman, que Dieu bénisse, que je connaisse sa bonne. Je fais des prières pour lui chaque jour parce que vraiment, là, quand j'ai découvert ma vie, là, vraiment, c'est le grand vécu, et ça va m'aider vraiment. Je tiens vraiment à vous dire merci. Et vraiment, je tiens à dire merci à toutes les personnes de bonne volonté qui ont eu compassion de moi, qui ont eu compassion de ma situation, qui ont parlé leur cœur. C'est pas la somme qui est importante, c'est le geste qu'ils ont fait là, vraiment, qui touche beaucoup. Avec que les gens sont venus les embrouiller, dire n'importe quoi, ça n'a pas fait de leur. Leur bonne foi et vraiment ils m'ont soutenu comme ils pouvaient. Vraiment que Dieu vous bénisse à mon âme. Et là où vous avez un neveu, c'est pas jamais que Dieu me dise plus ça pour vous et que Dieu veille sur vous, que vous donne une santé de fer et que l'un de vous, tout soit d'incident et d'incident. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci bien. Amen. Merci beaucoup. Après, tu me feras le compte rendu de ce que tu as pu récolter un peu. Maman de Carla, comment tu vas? Gros bisous à toi. Bon, moi, je vais vous laisser. On se reprend tout à l'heure à 17h. D'accord. Et puis, sois prêt pour dimanche. Okay? Je salue ta femme, j'embrasse tes enfants et puis on en sort. Bisous, bisous. Bon, bonne journée à tous, on se dit à tout à l'heure. À 17h, je me reconnais. Tu peux. Attends, je te fais descendre, ne pas que tu te retournes à un autre live. Je vous fais de gros bisous. Et puis on se dit à tout à l'heure.